attaque l'épisode 35 de Dog ADN. Donc, qui s'oriente de plus en plus vers le chien d'utilité. Yes, qui finalement, c'est bon, ça, c'est bon. finalement est l'origine de tout. On a la chance de recevoir aujourd'hui Laurent Mainfroy. Il y a plusieurs casquettes qui va se présenter après. Et puis en co-animation, là vous connaissez un visage qui ne vous est pas inconnu si vous avez suivi sur la chaîne YouTube Dog ADN, c'est Fabrice Bagnier, que bonjour à l'on tous. retrouve dans l'épisode 33. Yes. Bonjour à tous les deux, c'est super, je suis vraiment content de vous avoir tous les deux parce qu'il y a une vraie complémentarité. Bon, on ne va pas mentir aux gens, hein, vous vous connaissez déjà un petit peu parce que vous avez eu l'occasion de travailler ensemble. Et encore d'ailleurs, vous aurez l'occasion dans l'avenir, j'imagine, de travailler ensemble. Bah, on est en cours là. En plus. Donc là, on va vraiment parler plus du chien ring, manger ring, militaire, chien d'utilité en général. Laurent, merci beaucoup parce que tu as fait partie de l'armée, hein, je crois. Tu es réserviste maintenant Oui. de la marine et tu es sélectionneur de chiens pour les différentes entités. Et C'est bien ça. ce n'est pas toujours facile parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a un certain secret derrière tout ça et que c'est difficile de parler aux personnes qui travaillent dans cet univers-là. Et finalement, la preuve que non, Laurent, tu es là pour prouver le contraire. Bien sûr. On n'est pas là pour donner des secrets d'État, on est juste là pour dire ben voilà ce qui se passe dans dans les armées et autres administrations. Est-ce que tu peux commencer par te présenter d'une façon générale, Laurent, si tu veux bien? Alors, comme tu l'as dit, déjà bonjour Nicolas, bonjour Fabrice, merci donc de m'avoir reçu dans ton émission, Nicolas. Avec plaisir. Et moi j'ai commencé à Merci. J'ai commencé à l'âge de 12 ans à découvrir le chien. Ça remonte déjà depuis quelques années, puisque j'en ai aujourd'hui 51. Et j'ai donc passé 28 ans dans l'armée de terre. Voilà. Alors, faut savoir que dans l'armée, en fait, le chien est interarme, hein, qu'on soit marin ou de l'armée de l'air ou de D'accord. l'armée de terre. Finalement, on parle qu'une seule langue, c'est la langue du chien. Hein. Donc, on peut vraiment être interarme. Et c'est pour ça, comme tu l'as souligné également, c'est qu'aujourd'hui, j'ai quitté l'armée active, donc l'armée de terre, mais je suis réserviste dans la marine nationale, mais D'accord. toujours dans le chien. Voilà. Et puis en parallèle de ces 28 années passées à l'armée, j'ai également aussi fait de la compétition civile. Donc en fait, moi je me levais, je pensais chien, je mangeais chien, et le week-end je refaisais du chien pendant de nombreuses années. Voilà. Mais forcément, si ça devait être à refaire, eh bien je le referais sans problème parce que j'ai vraiment passé de très belles années, que ce soit encore une fois dans le monde professionnel, l'armée, ou que ce soit dans le civil, à travers toutes les compétitions que j'ai pu faire et les rencontres que j'ai pu également faire, et toujours avec un grand plaisir, quoi. Voilà un petit peu pour ce que j'ai pu faire pendant ces années. Le monde de la cynophilie, tel que tu l'as connu à l'âge de 12 ans, c'est quelque chose de familial? Tu as baigné dedans ou bien tu l'as découvert par toi-même? Alors en fait, ça a été une découverte un peu par hasard. J'ai rencontré à l'âge de 12 ans Monsieur Bernard Boutonnet D'accord. à travers mon beau-frère de l'époque. Et Bernard, en fait, tenait un bar dans un petit bled pas très loin de chez moi qui s'appelle Segré, pour rien cacher. Et donc à 12 ans, j'ai découvert que Bernard avait également une passion après son métier dans la brasserie, c'était de faire du chien. Et D'accord. donc j'allais avec lui le plus souvent possible, et il m'a emmené d'ailleurs partout. Et c'est là que j'ai vraiment découvert quelque chose de fabuleux. Et le premier chien que j'ai fait mordre à l'âge de 12 ans, eh bien c'était son Brillard, son premier chien avec lequel il a commencé la compétition, si compétition on peut parler, mais il y avait déjà compétition quand même. Ce chien-là m'a marqué puisque un, c'était mon premier chien que je toilais entre guillemets, et je suis Et un ressorti brillard, avec ta un marque? et un Brillard, ça marque effectivement, parce que je suis ressorti avec un gros bleu à la cuisse, mais alors tellement fier d'avoir ce bleu sur ma cuisse, quoi. Et de là a démarré tout ce qui en a suivi, en fait. Voilà. Je me permets de rebondir justement par rapport à ce que disait Fabrice. Ouais, j'allais juste, Les différentes je me races. permets, c'est pas pour interrompre,
C'est juste pour préciser à nos auditeurs, quand Laurent parle de Bernard Boutonnet, c'est un multiple champion de France de la discipline du ring. D'accord. Voilà, juste pour, parce que tout le monde ne connaît pas peut-être qui est Bernard Boutonnet, donc c'est l'une des plus grandes figures actuelles, l'un des plus grands dresseurs actuels en France, en ring français. Voilà. Ah, je laisse poursuivre, je laisse poursuivre. Homme d'attaque, homme. T'as raison, Fabrice, parce que moi j'oublie souvent de préciser parce que j'ai l'impression que voilà, on est toujours entre nous, qu'on se connaît tous, mais non. Là, merci Fabrice d'avoir précisé cela. Il est homme d'attaque et conducteur? Il fut homme d'attaque, effectivement, D'accord. mais au jour d'aujourd'hui, enfin, il a été homme d'attaque de concours, c'est vrai, mais surtout homme d'attaque d'entraînement. C'est plus un dresseur. Ce qu'on D'accord. entend par dresseur, c'est quelqu'un qui, on va dire, qui met les mains dans le cambouis, qui met le costume, qui dresse des gardes-objets, qui, bien entendu, l'obéissance, les sauts, et surtout, c'est une âme généreuse qui a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup de conducteurs. Et avec un immense talent, quoi. C'est vraiment un génie en termes de dressage, c'est vraiment un génie. Et ce monsieur Et est en... il est gaucher. Et Et gaucher, en voilà, plus. il est gaucher, ce qui est un peu plus rare, mais quand on a un bon bâton gauche, bah voilà, ça peut parfois mettre des chiens en difficulté, quoi. D'accord, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et oui, Ouais, parce tout que à fait. 80, 80% des êtres humains sont droitiers. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est vrai que j'y ai pas pensé, ça. Pourquoi tu es arrivé à l'armée? Parce que on parle de passion de chien, mais on n'en fait pas forcément un métier. Tu as raison, Nicolas. Alors pourquoi l'armée? Parce que, bon, déjà, j'étais un petit peu fâché avec l'école, hein, voilà. Bienvenue. Et donc, encore une fois, quand j'ai découvert le chien à l'âge de 12 ans, j'ai vraiment, il n'y avait plus que ça qui comptait. Et encore une fois, comme je ne pouvais pas devenir vétérinaire, j'ai dit, bah, je vais faire autre chose. Et du coup, j'étais aussi attiré par le métier des armes, hein, je ne le cache pas. Et donc, l'armée m'a permis quand même d'allier plaisir et travail. Et ça, c'est super fort, quoi. Hein. Je ne pouvais pas tomber mieux. Alors, à l'époque, ma maman avait un ami qui était dans la police, qui était cynotechnicien dans la police. Ça me plaisait aussi forcément beaucoup. Mais lui m'avait dit, écoute, si tu veux vraiment faire du chien dans une des administrations, à ta place, je choisirais plutôt l'armée. Parce que déjà à l'époque, bah, l'armée avait quand même un degré supérieur dans la technicité et l'utilisation d'un chien. Et effectivement, les années ont passé et je me suis souvent rappelé de ce qu'il m'avait dit et c'était plutôt vrai. La gendarmerie à Gramat comme école de cynophile, l'armée a un équivalent? Alors en fait, si tu veux, la gendarmerie, c'est l'armée, hein. Oui. Ça peut, voilà, c'est aussi militaire. Par contre, effectivement, ils ont leur propre centre de formation, hein, qui est, comme tu l'as souligné, à Gramat. Alors que nous, pour nous, l'armée, l'école, la maison mère, c'est le 132e RIC. Aujourd'hui, on l'appelle RIC pour Régiment d'infanterie cynophile, D'accord. hein, mais voilà, c'est deux entités différentes, quoi. Qui se situe où? À Suippes. À Suippes, donc c'est, si tu veux, c'est dans la Marne, D'accord. environ 25 km de Chalon-sur-Marne et 40 km de Reims. Voilà, voilà un endroit que je visiterai bien. Ils font des journées portes ouvertes? Alors, franchement, oui, en fait, tous les ans, il y a le championnat national du chien militaire qui est organisé au mois d'octobre. Je note en même temps. Ouais, tu peux noter, mais alors. Forcément, on n'a pas de chance parce que cette année, il n'y en aura pas. Alors pourquoi il n'y en aura pas? Parce que cette année, eh bien, comme tout le monde le sait, il y a les Ouais, JO, il et y a tout est con. diverses activités. Et en fait, ce régiment n'a pas la possibilité de l'organiser cette année. Mais en tout cas, j'espère bien sûr que l'année suivante, en 2025, ça sera de nouveau organisé. Et là... Eh ben écoute, pourquoi pas, je tâcherai de faire en sorte que tu puisses venir. Ah, ça serait un Voilà, plaisir, si vraiment ça ouais. t'intéresse, Ouais, beaucoup, beaucoup. c'est quelque chose à faire. Et en plus, le 132 a fait beaucoup d'efforts là-dessus, justement, pour s'ouvrir au monde Communiquer. extérieur, à la cynophilie en général. Et c'est une belle rencontre, quoi. Au-delà des épreuves purement Bien sûr. militaires, toutes ces rencontres sont super intéressantes. Tu
Comment vous êtes connu? Parce que c'est une question qui peut paraître bizarre, mais comment vous êtes connu, Fabrice et toi? Ben, je pense par l'intermédiaire Alors de la encore. personne dont Laurent Vas-y, Fabrice. a cité au tout Monsieur, début. Monsieur Et, Bretonnet? mais pour être honnête, je ne me rappelle même plus de la première fois. Je me rappelle même plus de la première fois. C'est à l'occasion d'un entraînement avec Bernard ou c'était à l'occasion d'un concours où tu officiais à toi, je ne me rappelle plus. Pour être honnête. Pour être tout à fait honnête également, c'est soit l'un, pardon, c'est soit. Mais en tout cas, je pense que c'était plutôt sur un entraînement quand même. On est peut-être venu te voir avec Bernard du côté d'Angers, peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais, l'occasion d'un changement de terrain, en fait. Je pense que ça doit être. Ouais. Et puis, finalement, on s'est connus, je pense, un petit peu avant la finale. Finale que j'ai faite donc en 2008. Je sais pas, je pense qu'on s'est connus dans les années 2006-2005, par là, non? Ouais, certainement. Certainement. Parce que moi, avec Bernard, c'est aux alentours de 2005-2006 que je me suis entraîné régulièrement, en fait. D'accord. Donc, on Enfin, était pas loin. à l'époque, t'avais Léon, quoi. Ouais, exactement. Hein? Ouais, Voilà. c'est ça, ouais. Alors, sans doute, tu me poseras la question, on va pas trop, voilà, accélérer les choses, mais on vient de parler de Léon. Léon est un chien qui m'a fortement marqué dans ma carrière. Voilà, c'est juste une parenthèse, hein, mais il fait forcément partie des chiens qui, voilà, qui me laissent un Il marque une souvenir vie. Ouais. indéliable. On dit qu'il y en a toujours un chien qui marque une vie, donc c'est Léon pour toi. Alors, il y en a eu Moi, c'était plusieurs quelqu'un, mais. pour diverses raisons, hein, mais Léon, voilà, fait partie des chiens qui m'ont marqué. Hein. Il y en a d'autres, encore une fois, Bien pour sûr. d'autres qualités, mais Léon avait ses propres qualités, et franchement, il m'a d'ailleurs cassé la clavicule, quand même, Léon, sur un coup Ouais, de c'est poing. vrai. C'est un bazar, ça? Voilà, sur un Vazel. Mais bon, en fait, c'est pas Léon qui m'a cassé la clavicule, hein. La clavicule était déjà cassée auparavant, mal consolidée, un peu jeune, et en fait, il a repris une chute sur l'entrée de Léon sur ce qu'on appelle une face, hein, une entrée d'attaque. Et bah, comme Léon était un chien avec une sacrée décision, il m'a coupé dans mon esquive, et voilà, j'ai fait une chute et la clavicule a recassé, quoi. Voilà, encore une fois, petite parenthèse. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'en fait, bien souvent, dans les activités ou les métiers en tant qu'homme d'attaque, c'est-à-dire la personne qui met le costume pour dresser ou alors enfin, à l'entraînement ou alors en compétition, bien souvent, les accidents, contrairement à ce que les gens pourraient penser, ce ne sont pas des morsures qui blessent l'homme d'attaque, mais comme c'est un sport de contact. De la même façon qu'au football, c'est plus un ligament croisé qui lâche parce que mauvaise rotation du genou, clac. Dans le cas de Laurent, malheureusement, une chute, il retombe sur l'épaule, c'est la clavicule. Bien souvent dans nos sports, parce que c'est un sport de contact, les accidents qui peuvent survenir, c'est dans ce cadre-là. Et c'est assez peu au final une morsure. On peut se faire de temps en temps, des fois, attraper une main, quelque chose comme ça, mais c'est extrêmement rare par rapport aux accidents bah, liés au contact, quoi. J'allais Et c'est juste. J'allais ça, juste. Ouais. on le perçoit pas forcément parce qu'on se dira ah, le chien il mord donc c'est dangereux par rapport à la morsure. Oui, ça pourrait l'être, mais alors peut-être plus en militaire d'ailleurs que dans le sport, ça c'est peut-être plus Laurent qui pourrait l'apporter. En tout cas, dans le sport, nos chiens, comme ils n'aiment que la toile, à part un mauvais réflexe et aussitôt ils lâcheraient, mais bon, ça fait un petit peu mal quand même. Le chien, lui, ce qu'il veut, c'est attraper la toile, mais souvent c'est les impacts, le contact ou sur le terrain, le pied qui se bloque ou quelque chose comme ça, c'est plus articulaire, c'est plus des chocs en fait. Les risques d'accident en compétition, c'est plus là, quoi. C'est bien, Fabrice, Ouais. que tu rappelles justement. Moi, j'invite vraiment tous les auditeurs à aller sur ta chaîne YouTube et ils comprendront mieux justement que le ring, en fait, c'est un jeu pour le chien. Parce que c'est vraiment la toile qui les attire. La personne qui est dedans, c'est le jouet qui bouge. Et ça, c'est important. Alors, justement, après, je poserai la Oui, question à Laurent par rapport entre le civil et le militaire, c'est parce ça qui est qu'il me dit que. intéressant, c'est montrer, c'est ça, tout à Ouais. fait, Nicolas. Mais je pense, enfin, je ne sais pas comment tu voulais construire l'interview de Laurent, mais c'est vrai que c'est là-dessus qu'il faudrait demander à Laurent, parce qu'il a les deux casquettes, il pourrait nous Tout à dire. fait. Et ça fait vraiment partie de ce que je voulais Sport, oui. voir. Ouais, tout à fait. Parce que quand on voit, moi, par passion, je suis toujours sur les émissions et tout ça. Et je vois les chiens militaires.
c'est pas les chiens de ring que je vois, hein. Parce qu'ils sont jusque boutistes, les chiens militaires. Enfin, d'après ce que, avec mon petit regard de non-initié. Je sais pas, Laurence, que. Ouais. Alors, si tu veux, pour moi, le chien militaire, en fait, comme l'a aussi tout à l'heure souligné Fabrice, en fait, pour nous, le ring et toutes les disciplines de mordant sont un vivier pour nous, pour recruter nos chiens. Oui. Si demain, et d'ailleurs, à un moment donné, on était un peu soucieux de ça, il y a quelques années maintenant, on parlait éventuellement que les disciplines de mordant allaient peut-être être mises en question. Oui. C'est toujours un peu le cas, hein. Mais pour nous, au niveau des Ce serait une administrations, ce catastrophe. serait vraiment, ouais, ce serait un problème parce que pour recruter nos chiens, voilà, ça deviendrait quand même délicat, quoi. Donc, pour revenir à ça, le chien militaire, en fait, la base est toujours la même, hein. On va quand même travailler sur le côté sport malgré tout, quoi. D'accord? Le chien militaire, mort aussi par passion, mort par jeu, et il a pleinement confiance dans l'homme d'attaque qui le fait mordre. Ça, c'est quand même très important. Après, va venir un travail de déconditionnement. Alors, le déconditionnement, ça passe aussi par les milieux. D'accord? Hein, on va changer de milieu constamment. C'est là qu'on va, pour qu'on ait un chien qui s'adapte le plus rapidement possible et le plus facilement possible. Et après, on va passer aussi donc dans un déconditionnement de la toile, hein, D'accord. grâce à un costume, ce qu'on appelle donc un costume de déconditionnement qui est beaucoup plus fin, où on va revêtir donc des effets civils par-dessus. Mais à la base, il faut éviter de partir trop tôt sur ce genre de travail, parce que ce qu'on veut quand même, c'est pouvoir tenir notre chien. Lorsqu'on part sur un conflit, etc., c'est pas des chiens fous furieux qu'il nous faut. Il nous faut des chiens posés, il nous faut des chiens quand même aux ordres, d'accord? Parce qu'il va falloir tenir dans l'attente, hein. Et si on a notre chien qui s'épuise Bien sûr. constamment parce qu'il est dans une attente forte d'aller un petit peu au combat Oui, si bien tu sûr. veux, Oui, bien sûr. hein, et bien au moment où on va vouloir l'utiliser, ce chien-là il sera plus apte physiquement, quoi. Donc, et là Fabrice, je pense qu'il va me rejoindre, la comparaison elle est trouvée entre les disciplines de travail, enfin de mordant sportive et l'utilité, c'est que en mordant sportif c'est la même chose, le chien on a besoin de le canaliser, qu'il soit calme déjà pour effectuer ce qu'on appelle le petit travail, c'est-à-dire tout le travail d'obéissance, mais quand on va aussi passer sur le travail de mordant en compétition, va falloir que le chien se tienne quand même entre les exercices, qu'on arrive à ramener du calme, de la sérénité pour pouvoir de nouveau embrayer. Eh bien, la comparaison est tout à fait identique sur un chien opérationnel. Donc, il faut oublier cette idée parfois d'avoir un chien militaire ou autre qui soit un fou furieux parce qu'on le débarque du véhicule. C'est absolument pas ça. Je dirais même que ces chiens-là, malheureusement, on va aussi les écarter de la sélection militaire. D'accord? Parce que en plus aujourd'hui, voilà, on a besoin d'un chien qui passe un petit peu d'une main à l'autre assez facilement, hein, et il nous faut absolument pas des chiens comme ça, quoi. D'accord? Alors, par contre, ça me fait quand même rebondir sur quelque chose. C'est entre la stabilité, parce que là, on va rechercher donc de la stabilité chez le chien, mais pas de l'hyperstabilité non plus, hein, parce que l'hyperstabilité, après, on en arrive à un chien qui finalement n'est plus inquiet de rien, trouve tout normal et n'a même plus d'émotion, quoi. Oui. Et le malinois, c'est pas ça, quoi. Alors, moi, il y a de nombreuses années, j'avais entendu quelqu'un me dire, et je vais le citer, c'est Monsieur André Noël, élevage de la Noaillerie, un très grand monsieur du chien. Et à l'époque, j'avais pas bien compris. Il m'avait dit, attention, l'hyperstabilité chez le malinois, ça doit pas exister, quoi. Et bon, j'avais pas bien saisi le sens. Eh bien aujourd'hui, j'y pense régulièrement parce que, encore une fois, il avait raison. Aujourd'hui, on part quand même dans l'hyperstabilité et nous, dans le travail, par contre, ça nous gêne. Moi, j'ai besoin, alors je vais parler du malinois, hein, surtout, hein, Oui, bien sûr. puisque c'est quand même 85-90% de nos chiens dans les armées. Mais j'ai besoin d'un malinois quand même qui soit posé, donc il est équilibré, d'accord? Il est posé, il est aux ordres. Par contre, si ça bouge à gauche, il regarde à gauche. Si ça bouge à droite, il regarde à droite. Il est quand même Est en attentif, quoi. alerte, à l'affût, ouais. Il est dans l'alerte. Parce que ça, par contre, j'en ai besoin. Ça, Ça j'en ai besoin. Si par contre, j'ai un chien doit qui, par être exemple, naturel.
qui présente aucune émotion, là, ça va me poser des soucis dans mon travail, quoi. Donc, voilà, je trouve que parfois, on fait un amalgame, enfin, pour moi, aujourd'hui, je trouve qu'on fait un amalgame entre la stabilité et l'équilibre. L'équilibre, c'est quelqu'un qui accepte qu'on le mette aux ordres. Il ne se retourne pas sur son maître parce qu'il le met un peu en contrainte, il accepte. Il accepte aussi les gens qui sont autour parce qu'un chien militaire, il va falloir qu'il travaille en groupe, Tout hein, à fait, donc, les groupes d'intervention, oui. en équipe, en squad. voilà. D'accord? Donc, il accepte tous les gens qui m'entourent, mais il l'accepte parce que je lui ai appris à accepter, quoi. Hein. Je ne veux pas non plus que ce soit forcément sa qualité première. Je veux juste lui faire comprendre qu'il doit être dans l'acceptation et que la cible, elle est plus devant, quoi. D'accord? Tout ce qui est en arrière est plutôt ami et l'ennemi est plutôt devant, quoi. D'accord? Pour schématiser. Hein. Mais encore une fois, je ne veux pas de chien non plus hyper stable, quoi. Pour moi, il y a encore une fois un amalgame qui est fait entre cet équilibre et la stabilité, quoi. Je me Et c'est perds. quelque chose, je me permets de rebondir là-dessus, c'est une problématique que l'on rencontre au jour d'aujourd'hui avec notre société qui demande d'avoir, pour nous qui pratiquons du ring et du monde du ring, un chien purement sportif et qui vient juste que pour faire mumuse et que pour jouer, en fait. Le souci, justement, c'est que du coup, parce que j'ai aussi une casquette d'éleveur, du coup, en tant Bien qu'éleveur, sûr. c'est très difficile d'être en capacité de produire un animal qui garde ses instincts de vigilance, de méfiance naturelle, tout en étant un béni oui-oui, un chien, comme le citait Laurent, qui n'a pas d'émotion et qui réagit à rien. Le Malinois est réactif. Son instabilité caractérielle est inhérente à la construction de cette race-là. Et le problème, c'est qu'à vouloir un chien ultra stable, ultra stable, alors déjà même en compétition, ça commence à être difficile, mais c'est surtout justement dans le cas des personnes qui doivent travailler après sur un milieu opérationnel, et ben, nos chiens maintenant sont juste des chiens de concours, des chiens de sport, ils deviendraient inaptes à une vraie utilisation. Ce qui n'était pas le cas il y a des années en arrière, je pense. Je pense, Laurent, que tu as dû voir aussi certainement ça. Cette évolution, parce que tu l'as cité, donc je suppose que tu l'observes aussi concrètement, on tend vers des chiens de plus en plus stables, de plus en plus équilibrés, et c'est bien, peut-être au quotidien, pour dans la société, c'est bien, on peut passer partout, il n'y a pas de souci, tout le monde peut caresser le chien et tout, c'est bien, mais à la base, ce chien-là, s'il doit aller au combat, tout le monde ne peut peut-être pas le caresser non plus, quoi. Faut quand même un chien qui garde certains instincts de méfiance, de vouloir garder. Tu crois pas que c'est dû Cet équilibre est dur à trouver quand tu crois pas que c'est dû au travers de l'offre et la demande? Si. Si. Mmh. Oui, et en même temps, c'est une évolution sociétale. C'est ça. C'est-à-dire que et en même alors une évolution sociétale, c'est-à-dire que notre société actuelle qui recherche, on va dire, de la sécurité partout et ne sait même plus ce que c'est réellement que la guerre, tout simplement. Ils veulent que voilà, tout soit sécure. Alors, s'ils font leur sport à eux, ok, mais alors qu'il n'y ait aucun danger, qu'on puisse tous caresser les chiens, que voilà, voilà, faut que tout soit safe. Et en même temps, parce que nos disciplines sont décriées, on veut nous mettre des tests de caractère, des choses en place pour mettre des garde-fous. Donc souvent, je pense que c'est comme ça que la centrale canine, pour se préserver des attaques et proposer aux politiques comment dire, des arguments en disant, mais ne vous inquiétez pas, les chiens ne sont pas dangereux, il y a un test de caractère, il y a ceci, il y a cela. En plus, en parallèle, on ajoute des choses. Je vais citer le CSO, le certificat de sociabilité d'aptitude à l'utilisation. Ouais, pour moi, c'est débile. Pour moi, c'est débile. Déjà, le fait de ce sont des exercices d'obéissance comme on a notre brevet. Mais je suis désolé, pour moi, c'est pas parce que mon chien ne se laisse pas caresser par un inconnu qu'il est dangereux. Mon chien, il est éduqué, il écoute, mais il va pas se faire caresser par n'importe qui. Et on veut que nos chiens se fassent caresser par n'importe qui. Ben non, je suis désolé. Et ça, c'est antinomique avec un vrai chien de travail qui doit partir au front. Je suis désolé, là, il y a vraiment un problème. Et je fais une dernière parenthèse. Aux États-Unis, par exemple, où je vais régulièrement, il n'y a pas de chiens qui viennent de la France. Hein. Ils viennent plus de Hollande, hein, parce qu'ils ont encore des programmes sur civil, tout simplement.
Et bien souvent, ils disent non, c'est pas des vrais chiens, vos chiens, c'est pas des vrais chiens. Nous, ils s'entraînent vraiment sans costume et les chiens, ils veulent même pas mordre s'il n'y a pas de la toile, de la matière à avoir en bouche. Ils ont perdu cette envie de mordre l'humain, en fait. Je sais que c'est peut-être pas facile à dire comme ça, de but en blanc, mordre l'humain, mais c'est quand même la réalité des choses. C'est pour ça qu'il Je faut pense que pas. Laurent, s'il parle de véritable opération, le chien, il doit réellement mordre, il doit réellement intervenir. C'est Et pour ça. bien, aujourd'hui, mordre réellement, il n'y a pas beaucoup de chiens qui en sont capables. C'est pour ça qu'il y a un problème de sourcing. C'est pour ça qu'il doit y avoir plusieurs types d'éleveurs, si c'est pour de l'intervention ou si c'est pour la vie de tous les jours, tu crois pas? C'est toute la difficulté de notre société actuelle qui ne sait pas trop sur quel pied danser, en fait. Oui. Mais je voulais rebondir, si tu me le permets, Bien Nico, sûr, sur ce que Laurent, tu as bien dit sûr. tout à l'heure sur l'offre et la demande. Je pense quand même que tu as raison. En fait, il n'y a pas si loin que ça. Le Malinois était fait par des professionnels comme Fabrice, hein, de vrais éleveurs. Oui. Il était fait donc par des professionnels pour des C'est professionnels. ça. D'accord? Aujourd'hui, en fait, le Malinois, malheureusement, il est fait par beaucoup d'amateurs et pour des amateurs. Et donc, au final, bien sûr, on arrive à ce que tu peux Tous les rencontrer travers, oui. dans les refuges, parce qu'il y en a plein les refuges, parce que effectivement, le Malinois, bah, ça reste quand même un chien très actif, hein, et donc ça pose des soucis. Voilà. Mais il est là le problème. Je veux dire, en fait, ça remonte en gros à 2015, hein, lors des attentats, on a mis effectivement la chienne diesel Oui, très tout à en fait. avant. D'accord. Alors c'est toujours très sympa, c'était sympa de parler de ces chiens de travail, Tout mais le monde en voulait. il y a toujours un travers, quoi, ça. Et donc tout le monde s'est dit, mais le Malinois c'est génial, bah moi je vais prendre ça comme chien, quoi. Et c'est là qu'encore une fois je pense aussi que effectivement les éleveurs avaient quand même énormément à jouer là-dessus, enfin, je veux dire à jouer le sérieux là-dessus, quoi. Peut-être que ça n'a pas été fait entièrement, pas par tous en tout cas, et effectivement, il y a eu quand même de la demande et on a répondu à cette demande. Et par contre, on a dénaturé le Malinois parce que certains éleveurs ont quand même voulu bien faire en allant sur l'hyperstabilité qu'on parlait tout à l'heure pour que ces chiens-là puissent aller dans des maisons, la maison de tout le monde, la maison de famille. Mais là, on l'a dénaturé, quoi. Et aujourd'hui, nous, on se retrouve avec ces chiens-là. Malheureusement, ils peuvent pas être en famille parce que ça reste quand même du chien actif, mais ils peuvent pas non plus devenir des chiens de travail parce qu'ils ont plus du tout le tempérament qu'ils peuvent Je avoir, comprends. quoi. Donc en fait, ils se situent entre deux eaux et même le chien, lui, il est perdu là-dedans parce que bah il sait pas s'il est fort, pas fort, s'il doit être méfiant, pas méfiant, et ça c'est très compliqué, quoi. C'est très Fabrice, très compliqué. j'aimerais bien te poser une question sur ce sujet. Ouais. En tant Ah, vas-y. qu'éleveur, est-ce que tu as un cahier des charges justement avec, je dirais, un caractère type que tu aimerais obtenir? Tu veux dire, tu parles du chien ou du Ouais. propriétaire qui s'adresse à moi? Allez, on va parler du chien cette fois-ci. Bah c'est délicat en fait de répondre tout simplement parce que lorsque on a en tête un type de chien, il est lié à sa génétique, il est lié à son courant de sang en fait. Et du coup, j'y pense pas vraiment, puisqu'au final, c'est moi je suis sur mon courant de sang, donc je suis vraiment sur une continuité génération après génération de construction. Donc j'ai mon idée. En fait, je produis, j'essaye de produire le chien qui me paraît idéal pour moi dans mon utilisation, D'accord. ni plus ni moins. Et je ne fais pas un chien pour quelqu'un d'autre. D'accord. En fait, je réponds pas vraiment à ta question, mais c'est-à-dire que je pars du principe que un éleveur, il fait en fonction de son cœur, de ce qu'il pense être bien, mais il faut qu'il fasse pour lui. Il doit pas faire pour les autres, parce que justement, si on fait pour les autres, eh bien, on rentre dans exactement ce qu'a décrit Laurent. Ah,
Je voudrais vendre des chiens pour Monsieur Tout-le-Monde. Alors, je vais tout changer Ouais, je pour qu'il comprends ce que arrive. tu veux dire. Alors, déjà, on n'y arrive pas. Parce que Monsieur Tout-le-Monde, lui, croit qu'un chien, c'est fait pour décorer le jardin. Donc, non, c'est pas une statue. Ça va pas décorer le jardin. Ensuite, il croit que Diesel, elle a jamais rien fait de sa vie. Elle est née comme ça. Elle a sauvé des gens. Oui, je Non, sais. elle entraînait plusieurs heures par jour. Plusieurs heures par jour. Tous les jours. Tous les jours, il y a quelqu'un qui se lève et qui entraîne le chien. Merci YouTube. C'est pas un animal qui décore le jardin, c'est pas une statue dans un coin qu'on était content, il y avait le bébé, puis on l'a laissé dans un coin. Donc c'est ça l'erreur. C'est-à-dire que perso, j'aime la compétition de dressage, j'aime un style de chien intelligent, percutant, courageux, avec Capable certaines. d'initiative. Ouais, bien entendu, un minimum quand même, mais en général, Non, mais c'est pas. ça dépend des gens. Mais ce que je veux dire par là, j'ai mes critères à moi de ce que j'aime. Et je vais là-dessus uniquement, en fait. Bien sûr, en essayant quand même. Bien entendu, je veux dire, là, je focalise par rapport à mes idées, mais bien entendu, j'essaye de garder un certain respect de la race en termes de critères morphologiques, critères caractériels, bien entendu. Mais je produis pour moi avant tout. Si des personnes, ça leur plaît ce que je fais, ils sont les bienvenus. Sinon, il y en a ailleurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout simplement. En fait, je me dis pas, je le veux comme ci, je le veux comme ça. Non, c'est, enfin, comme ça reste du vivant, c'est quand même beaucoup de ressenti. Et en fait, nos Malinois, ils sont quand même liés à la construction, liés à ce qui a été fait par les anciens de créer des vrais courants de sang. Et chaque courant de sang amène un type d'animal, parce que la sélection, la pression génétique crée un comportement presque inné de l'animal à faire certaines choses. C'est ce que l'on appelle l'atavisme. Et il y a certaines choses innées, comme ça, enfin, c'est pas vraiment inné puisque c'est dû à de la sélection génétique, mais il y a des choses que l'on aime, des choses que l'on n'aime pas. Moi, j'ai mon courant de sang que j'aime bien, j'ai un axe que j'aime bien et que je de génération en génération Oui, t'as une squelette. comme je peux. Mais voilà, mais tous ces respects-là, toutes ces choses-là, elles ont complètement disparu. Tout ça, c'est délayé. Il y a eu un brassage énorme de tous les courants de sang, toutes les lignées, tout se perd. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, c'est très difficile de bien travailler parce que même si on est consciencieux, soit on retombe toujours sur les mêmes origines, soit tout est tellement délayé par une juxtaposition de pseudo-champions, ça veut rien dire. C'est très difficile en fait. C'est assez. Je suis assez pessimiste hein, par rapport à la race quand même. Et l'effet de mode dont parlait Laurent, le focus sur la chienne Diesel, mais il y a eu aussi tout ce qui se passe maintenant. Vous allez au cinéma, à chaque fois qu'il y a un chien, maintenant c'est un Malinois. Ce que j'allais te dire, ouais. La moindre série à la télé, il y a un Malinois. Kenny Reeves, il a un Malinois dans je ne sais plus quel film qui est sorti. Enfin, il y en a partout, quoi. C'est ouf. Et ça, c'est le Lassie de l'époque, c'est Rex, c'est Rintintin, c'est tout ce qui a détruit les races les unes après les autres, en fait, tout simplement. Et c'est ce qui est en train d'arriver aux Malinois, en fait. C'était la dernière race, hein, j'allais pas dire la seule, mais c'était la dernière race encore capable de travailler. Donc, je ne sais pas ce qui va rester pour nos amis militaires maintenant. Eh bien, Plus grand. une fois de plus, tu me lances mon filigrame pour Laurent. Voilà. On reparlera après, si tu veux bien, de l'homme d'attaque, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, du fait que tu as la double casquette, à la fois homme d'attaque civil, à la fois homme d'attaque militaire, mais à la fois conducteur civil et militaire. Donc ça, c'est génial, parce que ça fait quand même une sacrée capacité. Là, aujourd'hui, en tant que recruteur pour les différentes administrations de chiens, quel est ton sourcing? Les éleveurs, j'imagine. Il y a aussi les LPA, des trucs comme ça, ou Les compétiteurs. les compétiteurs, bien sûr. Oui, alors effectivement. Ouais, après, le tout là-dedans aussi, c'est de développer un réseau, hein, puisque quand je, voilà, si je recours à mon réseau, je sais que je vais déjà moins me tromper. Enfin, il y a des chances que ça corresponde beaucoup plus à ce que je veux. Donc, le réseau, bah oui, tu viens de le dire, c'est les éleveurs comme Fabrice, c'est les utilisateurs. Ça m'est déjà arrivé, hein, les SPA. D'accord, je suis en contact avec plusieurs SPA de mon secteur. Après,
je te cache pas que ça reste encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, un peu difficile avec les chiens, parfois de SPA, les Malinois de SPA, parce que bah, ils ont quand même eu Ouais, une une vie histoire. avant. Ils se sont retrouvés là, souvent pas par hasard quand même, je dirais, parce que on en a parlé. Ils étaient excessifs, Oui. voilà. Ils ont souvent eu quand même certaines corrections apportées pour corriger ces défauts, des corrections qui sont pas toujours satisfaisantes ou pédagogiques, voilà. Donc, bah, c'est voilà, ça reste quand même assez compliqué. Maintenant, j'en ai quand même sorti quelques-uns des SPA et qui aujourd'hui embrassent une carrière militaire avec plus ou moins de succès, mais en tout cas, ils arrivent à remplir leur mission et c'est bien là l'essentiel, quoi. Tu vois? J'allais du coup poser la question parce qu'on ne l'a même pas demandé à Laurent. Quelles sont les missions du chien militaire? J'y Quelles sont allais, les ouais. J'y missions à arrivais. remplir? Ah, pardon, pardon Non, Nicolas. c'est bien, comme quoi on est en phase. Donc, c'est vrai que la mission de base du chien militaire, c'est d'abord et avant tout de surveiller les zones militaires sensibles ou semi-sensibles, quoi. D'accord? Donc, la mission de base et qui est très importante aujourd'hui pour le chien militaire, c'est vraiment celle-ci, c'est de garder les zones militaires en dehors, bien sûr, des heures de service, hein, donc il n'y a pas de secret là-dedans, hein, de toute manière, c'est marqué, il y a des pancartes partout autour d'une clôture militaire pour prévenir qu'il y a un chien. Voilà, on ne prend pas les gens par surprise, hein, tout le monde le sait. Mais voilà, le travail premier du chien militaire, c'est d'assurer la garde des zones. Par contre, il travaille avec son maître, c'est des rondes dynamiques, il est toujours sous contrôle de son maître, hein, ça c'est important, c'est pas un chien qui est lâché en liberté dans cette zone et qui passe toute la nuit. Non, non, il travaille avec son maître, quoi. Parce que forcément, si à un moment donné, le chien détecte une présence, eh bien là, il y a tout un protocole derrière, hein, qui va venir s'ajouter. Et ça, c'est grâce au maître, par contre, qui va pouvoir mettre en œuvre. Hein, donc, en fait, nous, on parle toujours du chien comme un maillon de la sécurité, quoi. Hein, mais à lui seul, il ne fait pas tout. Il fait partie d'un maillon. Ça, c'est un maillon, pardon, et il fait partie d'une chaîne et qui va se mettre comme ça en place au fur et à mesure de la situation. Hein, mais il faut toujours partir du principe que c'est pas le chien à lui seul qui fera tout, quoi. Bien sûr. Ni l'équipe Sino, quoi. D'accord? Hein, c'est pas Superman, ça c'est clair. Donc il faut aussi que les cynotechniciens soient conscients de ça, parce que moi-même, hein, moi le premier, hein, j'ai toujours tendance à vouloir avant tout qu'on utilise le chien, d'accord? Le chien, moi, c'est mon arme, hein, donc j'ai envie de le mettre en œuvre. Mais il faut partir du principe qu'il y a souvent d'autres choses à faire et que le Sino, voilà, soit il est en appui du groupe, soit c'est le groupe qui est en appui de l'équipe, voilà, mais il y a un switch comme ça qui est effectué selon, encore une fois, la situation. Mais ça, il faut accepter. Il faut accepter que parfois le chien ne sera pas utilisé. C'est pas grave. Il était là. Il était là. Il était prêt. Il était en mesure de. Et c'est ça qui est important. Faut toujours qu'il soit en mesure de. Le chien, lui, il n'a pas un bouton vert, un bouton rouge, Oui, bien quoi. sûr. Quand il est à l'entraînement, il faut quand même bah, qu'on soit proche de la réalité. En tout cas pour lui, quoi. D'accord? Il n'y a que l'humain qui est capable de savoir qu'il est à l'entraînement. Lui, le chien, il doit pas savoir, parce que s'il commence à savoir, là va arriver des difficultés, quoi. Donc à nous de faire attention à ça, à nous de faire attention au conditionnement. Et en tout cas, le chien, pour lui, c'est toujours du vrai. Et en tout cas, il doit toujours être prêt, en mesure de, quoi. Si on doit l'utiliser, il est prêt physiquement, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi mentalement, quoi. Et donc ça, c'est le rôle du maître, quoi. Ça, c'est très très important que le maître et cette psychologie canine bien intégrée, et que, surtout il sache quel chien il a au bout de sa laisse, quoi. Parce qu'encore une fois, tout le monde le sait, oui et non, mais chaque chien est différent.
Beaucoup de chiens seront capables quand même d'aller au bout de la mission et de faire leur mission. Mais par contre, la mise en œuvre, elle sera peut-être un peu différente d'un chien Oui. à l'autre, quoi. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important et c'est ça que moi, j'ai tendance à rabâcher sans arrêt, que ce soit aux équipes de police, aux équipes de l'armée, parce que là, encore une fois, c'est le même chien, hein, d'accord? À la base, c'est le même chien. Mais ce qui compte, c'est que la personne connaisse parfaitement son chien, connaisse sache parfaitement comment il fonctionne, quoi. D'accord? Quel delta il va devoir prendre avant pour le mettre en œuvre. Voilà. Et ça, c'est super important parce que ça conditionne vraiment la mission, quoi. Dans les équipes cynotechniques, on parle de mariage, c'est-à-dire le choix entre le chien et l'homme, enfin le conducteur. Ouais. Qui va décider de ce mariage? C'est toi le sélectionneur ou c'est le... Alors ça va, oui, déjà à la sélection du chien, je dirais, on va l'orienter sur telle ou telle mission. Donc il y a bien sûr des missions de détection, tout le monde le sait, d'explosifs, d'armement, etc. Donc là, on va bien sûr employer un chien qui a plus d'aptitude à faire ça, d'accord? Après, on a le chien qui va partir, donc sur ce que j'ai dit tout à l'heure, de la garde, où là, il va travailler avec son maître en permanence. Et là, effectivement, ça va être comment dire, en raison de son caractère, d'accord, on va le marier avec tel ou tel maître. Mais je dirais qu'avant tout, le chien, lui, c'est assez facile pour lui de s'adapter, en gros. Par contre, c'est parfois plus difficile au maître de s'adapter au chien qu'il a, alors que ça devrait pas être le cas, quoi. Je veux dire, et ça, c'est la même chose encore pour faire un comparatif avec les utilisations sportives. Un maître, ok, il a, comme disait Fabrice tout à l'heure, il aime tel ou tel chien, d'accord? Mais on sait très bien que si tu attends d'avoir tel ou tel chien, tu risques d'en passer quand même un paquet, quoi. Donc, le chien, tu vas l'avoir, il aura forcément des qualités, puis il aura un petit peu de défauts. Bon, bah, à toi de gommer ces petits défauts, pour en faire vraiment, un chien le plus exceptionnel possible. Mais là, c'est vraiment à toi de prendre sur toi, même si il y a des petits défauts qui te gênent vraiment, t'aimes pas ça, mais c'est à toi de t'adapter, quoi. Tu vois, et ça, c'est important. Et je trouve qu'aujourd'hui, je vois trop de gens, enfin moi, tu vois, quand je vais voir un chien pour le sélectionner, je regarde d'abord ses qualités. D'accord? Je veux d'abord voir ses qualités. Je recherche vraiment ses qualités. Après, en recherchant ses qualités, oui, il y a un défaut qui va apparaître. T'as un petit défaut. Mais par contre, je suis venu avec un œil positif avant tout, quoi. Si par contre, j'arrive et je fais l'inverse, que je regarde que les défauts, et c'est parfois ce que je peux voir chez certains, je dirais chez des homologues, etc. Si je recherche le défaut, bah, du coup, je ne vais plus voir les qualités. Mais des défauts, je vais en voir, hein, parce que quand on cherche, on trouve et je vais les voir. Mais par contre, je vais passer à côté des qualités. Et ça, c'est dommage, quoi. Il faut vraiment aller avec cet œil positif et se dire que tous les chiens en ont des qualités. Moi, ce que j'adore dans mon métier, tu vois, c'est que justement, bah, moi, je vois tout un petit peu, hein. Je vois bien sûr du malinois avec des caractères différents, mais je vois aussi d'autres races, hein. J'ai expliqué aussi à Fabrice que je travaille un petit peu avec du labrador, avec du braque, et ces chiens-là Pour la m'apprennent détection. beaucoup parce que, ah oui, pour la détection, ouais. Alors, la détection, elle pourrait être faite par un malinois, hein, on est Oui, d'accord. tout à fait. Il n'y a pas de souci. Par contre, travailler avec un labrador ou un braque, moi, ça m'apporte beaucoup en tout cas parce que c'est des races finalement que je découvre. Oui. Et moi, j'adore tous les chiens, hein, mais j'adore les chiens qui travaillent, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Bienvenue chez Dog ADN alors. Tu vois, moi, c'est vraiment ça qui m'anime et pardon, j'adore ces chiens. Bah, ces chiens-là, ils travaillent différemment. Un braque ou un labrador, faut le prendre différemment. Mais par contre, il est super au boulot, quoi. Il est Oui, vraiment super. quand tu es concentré, oui. Voilà. Et ça, franchement, ça m'a. Et c'est ça qui me plaît aussi dans ce métier aujourd'hui, c'est que j'en apprends encore une fois tous les jours. Et c'est ça qui m'anime, quoi, parce que j'ai aucune prétention de penser que je sais tout. Et ces chiens-là me prouvent que je sais pas tout, parce que moi, je les découvre. Et ce que j'adore, c'est les observer, quoi.
Et ça, c'est pareil. Quand je tombe sur des plus jeunes maîtres aujourd'hui dans l'institution, j'essaye vraiment de leur inculquer ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu regardes ton chien. Regarde-le quand il se détend. Regarde-le à tout moment, quoi. Et tu vas en apprendre beaucoup sur ton chien et ça va te permettre après de le travailler différemment et d'avoir, bien sûr, des résultats complètement différents, quoi. Tu vois, et voilà, ça, c'est vraiment, je trouve que c'est hyper important et il ne faut pas passer à côté de ça, quoi. L'observation, c'est primordial, quoi. Vraiment primordial. Tu as une appétence particulière pour le malinois, bien sûr, parce que tu le travailles depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres races pour lesquelles tu es sensible? On a parlé du braque et du labrador, mais le berger allemand, on n'en parle plus Oui. trop. On en est où sur le berger allemand aujourd'hui? Alors, effectivement, je vais. Oui, Fabrice, j'aime le berger allemand, mais sinon. Ah bah, j'aime beaucoup le berger Il faut tout allemand. pour faire un monde. J'aime beaucoup le berger allemand. Bien entendu, dans les armées, c'est comme dans le ring, hein, on va avoir le même pourcentage, en fait, hein, puisque encore une fois, c'est notre vivier, hein, les disciplines de mordant. Donc, on a de moins en moins de bergers allemands. Par contre, quand on en a, ce sont quand même des bons, quoi. Moi, ce que j'aime chez le berger allemand, c'est que bien souvent, bah, il lui manque que la parole, quoi. Le Malinois est souvent un chien qu'on construit quand même, malgré tout. C'est un super chien, hein, mais on arrive à le construire, on arrive à le façonner. À sa façon. Un berger allemand, pour moi, il est bon ou il est pas bon, quoi. L'entre-deux est assez compliqué, quoi, tu vois. Moi, ce que j'aime chez le berger allemand, bien souvent, c'est sa façon de raisonner. Enfin, c'est encore une fois, c'est quand je l'observe, hein, que je dis ça. C'est parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus proche de l'humain que peut l'être parfois le belge, quoi. D'accord. Tu vois? Voilà, c'est en tout cas l'impression qu'il me donne, hein. J'ai vraiment l'impression qu'un berger allemand, enfin, j'ai le souvenir de Ulco que Fabrice a dû connaître à l'époque. Je l'ai passé en. Vous ne te rappelez pas de Ulco Jean-Michel Lartaud? Ah oui. Voilà, et ça c'était un berger allemand sur la garde d'objets. Il m'impressionnait, quoi, parce qu'il avait une garde d'objets vraiment innée, quoi. Il avait vraiment pas envie que t'ailles lui prendre le panier, quoi. Et ça, il te le faisait ressentir, quoi, tu vois. Et un Malinois, voilà, ça, c'est plus le travail qui va parler. Alors attention, hein, on est quand même dans de réelles qualités intrinsèques à ce niveau-là aussi, hein. Mais le berger allemand, là, quand il arrive à ce niveau-là, il est presque humain, encore une fois, pour moi, quoi. Tu Oui. vois, tu le vois dans ses yeux, quoi. Voilà. Attends, juste une seconde. Tu peux regarder, je pense que ton Attends, micro-oreille s'est excuse-moi, je arrêté. t'entends plus. Bouge pas, je vais changer. Change d'oreille. Comment ça se fait, ça? Moi, je t'entends bien en tout cas. Ouais, mais je crois que ça avait basculé sur l'ordinateur, il n'y avait plus de batterie. Ah, d'accord. Là, tu nous entends dans le micro, dans le l'oreillette? Ouais, je vous entends, mais je vous entends assez bas, en fait. Alors, je ne sais pas Ah ouais? pourquoi. Ouais. Moi, je sais que je t'entends bien, Laurent. Bon, bah, je vais mettre les deux. Je Ouais, vais c'est bien, c'est voir. très bien. Bon, ça va. J'essaierai d'optimiser le son. Hop. Attends, où est-ce qu'on en était? Est-ce qu'il faut que je reprenne maintenant? Ah oui, on était en train de parler des différentes races. J'ai constaté là qu'il y avait un gros retour d'un chien qui avant était beaucoup dans le monde du ring, c'est le Bosseron. Mais je ne sais pas si on le voit en compétition, mais on le voit énormément partout. Ah ouais, bah tu dois être le seul à le voir partout parce que moi j'en ai pas vu encore depuis très C'est vrai, longtemps. et nous, justement, Ouais. on se faisait la réflexion là avec plusieurs amis du milieu du canin, et on commence à en voir un peu partout, on commence à en reparler un peu partout. Maintenant, je sais, comme je ne connais pas trop le caractère de ce chien au niveau concours, compétition, sport. Bah, ça a quasiment disparu. Il y avait. Il y a eu, oui. Il fut un temps où il y avait des bossons, mais malheureusement, c'est un peu comme les Briards dont citait Laurent Ça. tout à l'heure, le Bouvier des Flandres, Bouvier des toutes ces Flandres, ouais. races-là, elles ont. C'est pas qu'elles ont forcément périclité,
C'est juste que les utilisateurs se sont aussi orientés vers une race plus facile pour le dressage. On a eu aussi une perte de, comment dire, de connaissances, pas perte de connaissances tombées dans les pommes, mais perte de connaissances parce que les anciens qui savaient dresser n'ont pas forcément transmis un peu le savoir aux jeunes et on est tombé dans la facilité parce qu'un malinois berger allemand, ça mord tout de suite, c'est intelligent, c'est précoce et on peut tout de suite faire des choses alors que un bosseron, c'est plus délicat, c'est plus long à mûrir, faut prendre son temps. Ça fait mal dans le costume. Moi, j'ai commencé avec des bosserons. Ah oui. C'était Monsieur Gilbert Mingual avec son chien Icar, avec lequel il avait fait les sélectifs. Moi, j'ai commencé sur ce chien-là. Alors, c'était pas aux cuisses, mais c'était aux bras. J'avais les bras bleus. Avec J'étais des fier. bleus. Hein. Là, moi, j'avais 15 ans. J'avais pas 12. J'étais un petit peu plus âgé. J'étais un vrai ado, quoi. Et j'étais fier. Hein. J'avais des gros tatouages bleus sur les bras. Mais on est un petit peu plus éloigné du bosseron qu'on voit aujourd'hui, en fait. On est sur un, j'allais dire, un bosseron qui était, ben, pareil, qui avait du caractère, quoi. Et aujourd'hui, on veut plus de caractère, on veut des chiens, on veut des béni oui-oui. Et ben, là, du coup, on a des, je vais pas dire des labradors, mais ils ont plus de capacité de mordant, quoi que ce soit. Je m'excuse, juste 2 petites Vas-y, ouais, secondes. vas-y, 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 Je vas-y, ouais. m'occupe de lui, je reviens. Continuez, les gars, Vas-y, continuez. vas-y, vas-y. On va parler juste un peu de compétition après Laurent, dès qu'il revient. On va revenir un peu sur ton CV, comme ça les gens sauront quand même que tu sais de quoi tu parles. Ça, c'est clair. Je trouve ça plutôt sympa. Et puis, on essaiera de peut-être faire la différenciation entre bah, ton parcours sportif, civil et militaire, parce que je ne sais pas si c'est exactement les mêmes. Les mêmes épreuves, en fait. Tu sais, au niveau des mordants, est-ce qu'il y a les suites muselées, suites non muselées, enfin, tout. Je sais pas du tout. Ouais. Donc, j'attends que Fabrice revienne, parce que bon, lui, là, Ouais. c'est son sujet à lui aussi. Moi, je Ça t'avoue que marche. là, je le connais que par le regard. Je passe tous mes dimanches à regarder au club, parce que je trouve ça passionnant. Mais quand je vois le boulot que c'est pour et les résultats que tu vois en concours, il faut être sur place, sur le terrain, pour comprendre. Ouais. Quand je vois que la simple morsure, faut qu'elle soit bien faite, qu'il n'y ait pas d'anticipation. Et avec un regard de béotien, tu fais, bah ouais, le chien est mort. Non, non. Quand tu passes ton temps sur le ring, tu dis, ah ouais, d'accord. Et puis, en plus, j'ai des anciens, comme tu dis, et qui aiment bien expliquer. Donc, je suis toujours à l'écoute et c'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant. Mais Et ce qui va m'intéresser après, c'est ta double casquette homme d'attaque conducteur, parce que j'aimerais savoir si. On peut être conducteur sans être homme d'attaque, tu vois, parce que je me dis que ça doit être quand même bien d'être des deux côtés du chien. c'est mieux. Ça permet peut-être aussi d'avoir une belle lecture du chien. Ouais, tout à fait. Et puis. Mais je vais juste revenir sur un Vas-y. bosseron. Tu m'entends bien là, Ouais, Nico? vas-y, vas-y, c'est Ouais. très bien. Je voulais juste revenir sur le bosseron. Moi, à l'époque, dans mon premier club en Bretagne, qui était le club de Plescop, il y avait un ancien, monsieur Cario Auguste, qui avait un bosseron en trois. Et c'était un super bosseron, quoi. Il avait les maxi tsauds. Alors, je te parle de ça, bah ouais, il y a 30 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, C'est bah, voué à disparaître. on n'en voit plus en compétition parce que, bah, effectivement, tous les compétiteurs veulent quand même avoir de la réussite. Et si tu commences à Oui. prendre un chien, entre guillemets, un peu exotique, bah, les points sont plus durs, hein. Voilà. Cette année, on a quand même un Bouvier des Flandres qui est en Oh. sélectif. Ah, c'est très bien ça. Voilà, voilà. Donc, on espère tous que ce chien-là sera au minimum invité de race à la finale, hein, D'accord. puisque ça c'est quand même une belle idée aussi, hein, du groupe Travail Ring, par exemple, d'avoir mis en Un invité place de cet race. invité de race. Qui, il y a eu un Doberman il y a longtemps. Enfin voilà. C'est toujours très sympa quand même de voir d'autres races. C'est C'est vrai. intéressant que tu parles du Doberman parce que j'ai aucune image en tête. Pourtant, je suis toujours en train de regarder des choses sur les chiens, mais j'ai aucune image en tête de Doberman. Dans l'armée française. C'est peut-être une erreur, hein. Il y en a eu il y a très longtemps. Après, si tu veux, le Doberman avait quand même ce petit défaut, lui aussi, puisqu'ils en ont tous.
mais il avait le défaut d'assez mal accepter le changement de maître, en fait. Hein, D'accord. c'est un chien un peu exclusif, quoi. Hein. Et à l'époque où il y avait encore des appelés à l'armée, bon, bah, bien sûr, les chiens pouvaient être Ah oui, c'est amenés à vrai. changer de maître assez régulièrement. Et c'était quand même un Ah petit ouais. peu dur pour le Doberman, quoi, tu vois. D'accord. J'aurais Voilà. cru que ça, son plus grand défaut, c'était que ça papillonne. C'est-à-dire qu'un jour, l'entraînement est bien, le lendemain, l'entraînement, le chien, il est en train de regarder, bah, quand je papillonne, il regarde un peu le ciel, les oiseaux, il est complètement absent. On n'a pas cette régularité, cette constance dans le travail. Et lorsqu'on est en phase de progression, on ne voit pas une progression. C'est-à-dire qu'on trouve ça génial et le lendemain, c'est une catastrophe. Après, c'est moyen. Après, c'est génial. C'est une catastrophe. Et ça fait toujours un petit peu, ça aussi, entre le bon, le très mauvais, le moyen. Et moi j'aurais dit ça par rapport au Doberman. Mais j'aurais pas Non, cru mais, par rapport au non, changement. mais, non, mais ce que tu dis est forcément vrai, hein. Voilà, je dis pas que Forcément, c'était, forcément, forcément. non, mais je dis pas que c'était pas un super chien militaire, hein, mais on en retrouvait quand même dans les rangs, hein, de chiens militaires. Très peu aussi à l'époque, hein, mais il y en avait quelques-uns. Mais ça faisait partie de leur défaut. En tout cas, encore une fois, ce changement de maître était Ah, assez ça, difficile. ouais, ça, je savais Mais pas ça. après, ça rejoint quand même ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on avait un chien qui acceptait mal et qui donc était souvent un peu lymphatique, quoi. Hein, et oui, un jour ça marchait, un jour ça marchait pas. Et quand on rajoutait le changement de maître, alors Ah, là, ça a explosé. c'était encore plus catastrophique, quoi. Hein, Alors qu'il y a eu des bons Doberman, enfin, j'ai eu mémoire de voir des bons chiens. Et c'est pas désagréable de travailler un Doberman. C'est ouais. un chien qui a de la prestance, qui a finalement une belle morsure. Il faut une morsure droite, ça ne tourne pas la tête. Mais qui a quand même de la prestance. Et enfin, moi, je sais que j'en ai travaillé au démarrage, en fait. J'en ai même breveté un. Hein. Mais c'était assez agréable. Mais par contre, ce qui était. Quand on aime entraîner, quand on aime travailler l'animal, c'est cette inconstance, ce manque de régularité qui est. Ah, ça, c'était vraiment. Ouais. On y croit, on se dit, waouh, ouais, super, j'ai un truc génial. Et pouf, oh, le lendemain, oh, la déception, dis donc. On a l'impression de Et retourner à zéro, quoi. je pense également qu'il pouvait manquer parfois un peu de rusticité quand même. D'accord? Le Doberman, voilà, aime bien quand même un petit nid douillet, si possible. Et bien sûr, à l'armée, bah, ça, c'est un peu plus compliqué, quoi. Bon, alors là, du coup, j'allais rebondir là-dessus. On nous parle souvent du bien-être Ah animal et tout tiens, ça. Et je sais que beaucoup de gens se posent des questions, mais comment que ça se passe dans un chenil? Comment que ça se passe dans un chenil militaire? Est-ce que, je pose la question un peu crûment comme ça, est-ce que les animaux sont bien traités à l'armée française? merci pour la Alors question. moi, tout simplement. On me la pose souvent à moi, alors maintenant, je suis content de la poser à quelqu'un d'autre. Toujours les Alors animaux, moi. les chiens sont bien traités chez nous, mais maintenant, voilà, Laurent, je te retransmets le bébé. Est-ce que Eh ben écoute. dans les chenilles Moi, en tout militaires? cas, si demain j'étais chien, tu vois, eh ben, j'adorerais être dans un chenil militaire. Parce que dans un chenil militaire, oui, les chiens sont bien traités, on s'occupe de lui tous les jours, il a forcément le gîte et le couvert, mais ça, c'est le minimum. Mais encore une fois, il est sorti tous les jours, il a un suivi sanitaire. Je veux dire, tu peux guère donner plus à un chien finalement, parce que encore une fois, on est bien sûr dans du chien de travail qui a besoin de travailler, et en fait, c'est ça qu'on va lui proposer avant tout, une occupation à longueur de temps, quoi. Je veux dire, une journée type du chien militaire, ça va être la sortie du matin, on parcourir avec, d'accord, parce que il faut bien sûr de l'entraînement physique, et donc il va courir avec son maître. Tout le monde court ensemble, donc d'abord, il y a une proximité quand même avec les congénères, etc. Donc encore une fois, un équilibre, hein, qui est recherché par ce biais-là. Et il y a surtout un moment de complicité, quoi, hein, puisque c'est quand même important aussi ces moments-là, quoi, hein. Et voilà comment déjà va débuter généralement la vie d'un chien militaire, quoi. Après, au fur et à mesure que la journée avance, eh bien, on va travailler le chien proprement dit sur telle ou telle orientation, qui peut être un travail de pistage, qui peut être un travail de recherche.
ou qui peut être bien sûr un travail de mordant, d'accord? Et puis après, il va de nouveau passer par une phase de reconditionnement parce qu'il faut quand même qu'il récupère, hein. Voilà, on tire pas non plus dessus toute la journée, hein. Faut rassurer tout le monde. Donc il va passer par une phase de reconditionnement. Mais bien souvent, le soir, soit il va de nouveau être employé avec son maître pour garder nos fameuses zones militaires dont je parlais tout à l'heure, ou alors il va aussi faire de l'entraînement de nuit. Hein, Oui. puisque nos chiens sont employés de nuit, eh bien, il faut évidemment les entraîner de nuit. Donc, c'est vrai qu'une journée de chien militaire, c'est bien rempli. Mais le chien, quand tu les regardes, Oui, il pour s'éclate. la première fois, Mais voilà, ils ils s'éclatent, sont épanouis, ils en fait. sont épanouis. Ils sont épanouis. Et dans ces moments de repos, par contre, ils sont vraiment en pleine phase de repos parce qu'ils en ont besoin. Hein, c'est comme nous, hein, quand on s'est tiré dessus et qu'on a besoin de récupérer, bah, là, tu dors bien, quoi. Hein, bah, c'est le cas du chien militaire. Et ça, à travers ça, tu peux te dire, bah oui, mon chien militaire, il passe une belle vie, quoi. D'accord? Je pense sincèrement que si tous les chiens pouvaient avoir la même vie que nos chiens militaires, eh bien, ma foi, on serait certainement dans ce qu'on peut appeler le meilleur des mondes, quoi. Sans rentrer dans les détails, mais tu as été opérationnel. Est-ce que tu as été Alors, amené à intervenir sur des missions? moi, ma culture sino, effectivement, dans la culture sino, si tu veux, il y a souvent ceux qui travaillent le chien, qui peaufinent l'entraînement, qui dressent, voilà. Et puis, il y a les autres, je dirais, qui sont avant tout des combattants et qui, eux, effectivement, vont employer le chien. Donc, moi, c'est vrai que c'est pas mon cas. J'ai pas une culture opérationnelle proprement dit, mais par contre, je sais quand même à quoi Bien ressemble sûr. évidemment le côté opérationnel parce que moi je l'ai en amont, quoi, en fait, hein. Je travaille le chien dans ce but-là, quoi. D'accord? D'accord. Et j'ai bien sûr des retours d'expérience de gens qui ont effectué des missions avec plus ou moins de, enfin, toujours avec de la réussite, mais parfois le chien a donné sa vie, hein, pour la réussite de la mission. Ça, il faut pas l'oublier, oui. Ouais, ça c'est important. Il n'y a rien de secret là-dedans non plus, hein. Je veux dire, si on regarde sur Internet aujourd'hui, on retrouve des chiens militaires mis à l'honneur. Je pense à un chien qui s'appelle Luck, par exemple. On peut le taper sur Internet, on retrouvera bien sûr des traces de ce chien-là qui a été décoré et qui a perdu la vie sur le conflit Mali, en fait, hein, Oui. en 2019, mais qui a sauvé certainement le groupe dans lequel il était, hein, parce que son maître a su le mettre en œuvre, l'a D'accord. utilisé, il est allé au bout de sa mission et il a donné sa vie pour le groupe, quoi. Voilà. Mais voilà, ça c'était un chien d'une unité marine, une unité particulière de la marine nationale. Et voilà, ce chien-là, effectivement, il a marqué cette unité par cette mission, hein, ultime, ultime, mais il a sauvé le groupe. J'avais lu justement un article où, qui disait que de plus en plus les chiens d'intervention faisaient vraiment partie du groupe et faisaient énormément de bien au groupe dans des moments de latence. Ouais, tout à fait. Bon, on parle tous aujourd'hui, on a tous entendu parler de la médiation animale, hein. Alors, bah, effectivement, ça Ça en en fait fait partie. partie. Voilà. Et dans le recrutement d'un chien militaire, surtout pour ce genre d'unité, encore une fois, là aussi, on va pas rechercher un chien fou furieux, hein, loin de là. En fait, ce qui fait la force du chien et ce qui fait la force du groupe, c'est les uns et les autres, quoi, hein, d'accord? Donc le chien fait partie du groupe et c'est là que tout le monde est fort parce que tout le monde a sa mission, tout le monde la connaît, tout le monde sait faire. Et quand tu ajoutes tout ça bout à bout, eh bien là tu fais un groupe soudé et vraiment fait pour la mission, quoi, Oui, hein. oui. Tu vois, une fois qu'on est dans le dur, on est dans le dur, quoi, hein. Mais le chien militaire pour ces unités-là, c'est voilà, il va falloir chercher quand même de l'équilibre, encore une fois, comme on parlait tout à l'heure, parce que il va travailler dans le groupe, hein, il faut qu'il s'intègre parfaitement au groupe,
Faut que le groupe ait confiance au chien. Hein, mais il ne faut pas oublier que la sécurité, je veux dire, quand on emploie le chien, celui qui fait la sécurité avant tout autour de ce chien, c'est le maître, quoi. Et le maître a énormément son importance là, d'accord? Accident peut y avoir, effectivement, le risque zéro n'existe pas, déjà chez l'humain, alors encore moins chez le chien, d'accord? Mais par contre, celui qui doit être très vigilant par rapport à ça, c'est le maître. Et c'est là encore une fois l'importance de connaître son animal parfaitement pour savoir à quel moment il va falloir que je fasse hyper attention Oui. ou à quel moment je peux relâcher mon attention, etc., etc. Et toujours cette lecture de l'animal, quoi. Hyper important, hyper important. Voilà. Encore un appel en même temps, ça ne va pas. Ah, comment? Ouais, c'est pourtant. Je vais mettre en mode avion, comme ça je serai tranquille. Hop. Est-ce que on aurait peut-être pu demander à Laurent parce qu'il y a des compétitions militaires. C'était la question d'après. Oh bah, j'ai rien dit. J'ai rien Non, dit. mais je pense que. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, non, vas-y, non, mais Je ça voudrais suffit. voir si on a la même question. Eh ben moi, alors en fait, je ne connais pas beaucoup le milieu militaire. Et la question que j'aurais envie de poser à Laurent, c'est est-ce que vos compétitions que vous organisez. Alors, je sais qu'il y en a différentes. Il y a différentes compétitions, différents styles. Est-ce que ça se rapproche réellement de situations opérationnelles? Ou est-ce que c'est vraiment tourné comme ce que l'on voit dans les compétitions civiles, c'est-à-dire bon, on perçoit presque plus la réelle opérationnalité derrière, si je puis dire, en fait. On comprend, mais ok, une garde d'objet, c'est une garde d'objet, mais une garde d'objet de ring, c'est pas vraiment garder un objet, en fait. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, c'est où se situent les compétitions militaires? Est-ce qu'on est vraiment sur de la pure compétition ou réellement ça ressemble concrètement à ce que vous pouvez avoir en opération et du coup, quelque part, la compétition prépare l'animal à être opérationnel. Bonne question, Fabrice. C'est toi. Alors, effectivement, c'est une très très bonne question. Je vais parler donc des brevets de chiens militaires pour que tout le monde comprenne déjà de quoi on parle. Qu'est-ce qu'un brevet de chien militaire? En fait, donc, ce n'est pas graduel comme on peut retrouver, par exemple, en ring. D'accord? En ring, on va parler du brevet, du ring 1, 2 et 3. Là, ce n'est pas aussi graduel, hein, puisque l'un ne ressemble pas à l'autre. Mais par contre, ça va être graduel quand même dans la difficulté. D'accord. D'accord? Donc, on va commencer à la base. On va appeler ce brevet, enfin, on va l'appeler, il s'appelle le brevet de patrouille. D'accord? Tout à l'heure, j'ai parlé du chien militaire. La mission de base du chien militaire, c'est de garder la zone militaire. Donc, ce brevet patrouille est vraiment calqué sur la mission de base du chien militaire. D'accord? Donc, on va y retrouver ce qu'on appelle, nous, de la discipline-obéissance. Donc, la DO, discipline-obéissance, qui est en fait le plat du ring. D'accord? Pouvoir Okay. faire une suite au pied, pouvoir faire une absence du maître, pouvoir faire une suite muselée, pouvoir faire un saut d'obstacle, etc., etc. Et ça va être pour vérifier que le maître a donc le contrôle sur son chien, d'accord, a quand même mis une discipline en place, d'accord. Après cet atelier discipline-obéissance, on va passer sur un atelier interception, d'accord, où là, effectivement, il va devoir intercepter un individu. Là, qui sera donc revêtu d'un costume homme d'attaque, bien sûr, pour se protéger. Hein. Et là, ça va être calqué, oui, sur la mission qu'il pourrait rencontrer lors de sa patrouille. D'accord? Devoir intervenir sur un individu. Alors, je parlais d'atelier. Il y a encore quelques temps de ça, on avait donc cet atelier discipline-obéissance, cet atelier mordant, et ensuite on passait à l'atelier fouille de nuit, parce qu'encore une fois, notre chien militaire, il est employé la nuit. Hein. Aujourd'hui, ce brevet patrouille, il a été modifié et plutôt en bien. C'est-à-dire qu'il est articulé un peu comme comment dire, une compétition campagne. D'accord? La compétition campagne, en fait, on sait qu'on passe d'un exercice de suite au pied à un exercice de mordant, d'un exercice de mordant à un saut d'obstacle, d'un saut d'obstacle de nouveau à un mordant. Eh bien là, c'est la même chose.
Et c'est vraiment pour contrôler, encore une fois, que le maître a bien le contrôle de son chien, quoi, pour vérifier que le maître a bien le contrôle de son chien. Et la mission, encore une fois, très importante, c'est que ce chien-là, quand il est employé de nuit, il faut qu'il soit capable de découvrir un individu ou plusieurs individus qui se seraient introduits dans une zone. D'accord? Donc, il est employé en recherche. Hein, et quand il découvre cet individu, il doit signaler à son maître qu'il l'a découvert par les aboiements. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important parce que ça c'est vraiment rédhibitoire à l'obtention du brevet. Si le chien ne trouve pas, eh bien, il n'est pas breveté. D'accord? Alors que sur les autres exercices, il peut perdre un peu de points, hein, comme en ring, mais ça ne va pas l'empêcher d'obtenir son brevet. Par contre, la recherche... Ça, c'est rédhibitoire. Il trouve pas, il est éliminé, quoi. Il D'accord. faudra qu'il repasse. OK? Ça, c'est vraiment la mission de base du chien militaire. Et pour rebondir à ce que tu disais, Fabrice, oui, ce brevet de patrouille est calqué sur la mission. Par contre, ça ne veut pas dire que quand le chien a obtenu ce brevet, il est opérationnel. C'est juste de dire que, voilà, le maître, le chien, tout le monde a, entre guillemets, passer avec succès le permis, quoi. D'accord? On a vérifié que le maître était capable de conduire son chien. Par contre, pour qu'il soit réellement opérationnel, il va falloir derrière faire un autre travail. Tout ce qu'on a parlé tout à l'heure de déconditionnement, etc., de situation particulière. D'accord? C'est là vraiment que le chien va aller vers le côté opérationnel. Par contre, avant ça, donc, ce brevet patrouille a permis quand même à l'équipe d'avoir une trame de travail, d'accord, et de savoir où aller, hein. C'est vraiment la base, quoi, la base. Mais derrière, ça ne suffit pas, hein. Il faut vraiment travailler et travailler les différentes situations, quoi. Et endurcir le chien, hein. Quand je parle d'endurcir, tout le monde ne... enfin, nous, on sait ce que ça veut dire, hein, d'accord, endurcir, c'est parce que bah, il va falloir qu'il soit pleinement courageux à Bien sûr. passer telle et telle Le renforcer. situation. Oui, On le renforcement, renforce, hein, le renforcement positif, etc. Hein, surtout pas à l'échec. Et voilà. Et c'est ça, bout à bout, qui va nous donner quand même un chien opérationnel et même une équipe opérationnelle. Parce qu'on parle d'équipe, hein, d'accord? À l'armée, c'est un chien, un maître. C'est indissociable. un binôme. Un binôme, indissociable. Hein, alors après, bien sûr, ça peut l'être à un moment donné où si le maître venait à être blessé ou à quitter l'institution, bien sûr que le chien va changer de maître. Et mais là, il faudra recommencer le brevet. D'accord? Il va Ah, falloir ok. repasser le brevet. OK? Hein, D'accord. parce que ce brevet patrouille, par contre, a un côté quand même réglementaire, quoi. C'est-à-dire qu'on a vérifié. Il faut le brevet patrouille pour travailler. Voilà, c'est en D'accord. fait on a vérifié encore une fois que l'équipe a été jugée bonne Apte, pour ouais. effectuer sa mission. Apte, exactement, apte à effectuer sa mission. D'accord. C'est-à-dire que si pour effectuer une patrouille, par exemple, il y a une caserne à garder, il y a un tour de surveillance, une patrouille à effectuer, pour effectuer cette patrouille, il faut que ce chien soit breveté. Oui, alors, petite particularité par rapport à ce que tu dis, quand il y a une jeune équipe, c'est-à-dire un jeune chien finalement, hein, qui est arrivé dans l'unité, en Ouais. fait, cette équipe a un an pour être brevetée. D'accord. D'accord? OK. Donc on va pas, voilà, le jeune chien vient d'arriver, il a 10 mois le jeune chien, d'accord? Il a 10 mois, il est tout juste débourré, hein, et bien dans son unité d'appartenance. Les cadres qui sont là, d'accord, vont travailler l'équipe pour obtenir le brevet dans l'année qui suit l'association. D'accord. Ça, c'est une obligation. Si au bout d'un an, cette équipe n'est pas brevetée, il va falloir qu'elle rende des comptes. Alors, il peut y avoir des raisons, hein, d'accord, elles existent, hein, les raisons, mais en tout cas, va falloir quand même justifier le pourquoi. Mais dans la réglementation, aujourd'hui, on impose à une équipe qu'elle soit brevetée dans la première année de l'association de l'équipe. D'accord. C'est intéressant. OK. Ensuite, on va avoir le brevet de dressage. Le brevet de dressage n'a pas d'utilité opérationnelle, d'accord? C'est un brevet de technicité, en fait.
Le brevet de dressage, c'est un brevet qui se passe sur le ring, d'accord, comme on veut tous connaître, encore une fois. Ah, et c'est un mélange d'IGP et de ring, d'accord? C'est-à-dire OK. qu'on a des exercices en discipline obéissance, donc en plat, on va retrouver les rapports d'objets, on va retrouver les positions à distance, on va retrouver un en avant, une suite muselée, voilà, tout ce qu'on peut travailler sur le plat qu'on peut retrouver en ring. Par contre, dans le mordant, par exemple, on va avoir la quête. La quête comme en IGP. OK. D'accord? Voilà. Découverte de l'homme d'attaque à la sixième. Aboiement, bien évidemment. Par contre, là, on n'est plus sur un mordant manche, mais on est sur un mordant costume, hein. Donc, avec une sortie de l'homme d'attaque, cessation. Une seconde fuite de l'homme d'attaque, cessation. Et rappel du chien au pied du maître. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les conduites dorsales. C'est-à-dire que le chien, il est au pied du maître. Et il ramène l'individu, enfin là, quand je D'accord. parle d'individu, c'est l'homme d'attaque lors du concours, ramène l'homme d'attaque par une conduite dorsale à environ 5 mètres, quoi, hein, 5 mètres de l'individu. D'accord? Ce qui fait la différence avec une conduite de ring, par exemple. Mais voilà, on a un mélange, mais ce brevet reste important quand même, même s'il n'a pas de valeur opérationnelle, parce que c'est vraiment un brevet de technicité, encore une fois. C'est là D'accord. qu'on va y mettre les fondations quand même, hein, d'accord? Et puis c'est là que les jeunes maîtres vont apprendre à dresser un chien, à conduire un chien, encore une fois, comme on a pu le dire tout à l'heure, à connaître son chien, comment je le mets au mieux pour qu'il fasse la plus belle prestation possible. Et ensuite, quand j'ai fait ça, il m'est quand même plus facile de transposer, encore une fois, mon équipe, mon travail sur le côté opérationnel, parce que je connais parfaitement mon chien. D'accord? Cette connaissance du binôme, ça permet de mieux travailler le côté opérationnel ensuite, en fait. Parce qu'il Bien a fallu sûr. mettre en quelque sorte les mains dans le cambouis pour arriver à monter ces exercices, à dresser ces exercices. Et là, on se rend compte dans le dressage si le chien est apte à supporter la pression psychologique, l'affrontement avec l'homme d'attaque, des choses comme ça. Et je comprends ce que tu dirais, d'accord. Voilà, si on parle de l'exercice des positions à distance, bien sûr que sur un côté opérationnel, on va me dire, bah, À ça quoi n'a ça aucun sert? but. Oui, c'est ça. D'accord? Sauf qu'on sait tous que les positions à distance, quand tu es quand même à 20 mètres de ton chien et que tu l'obliges à t'écouter et non pas à t'entendre, parce qu'il y a une grosse différence entre entendre et écouter, donc le chien, il est obligé de tendre l'oreille, là, parce que, alors qu'il y a plein de monde autour, qu'il y a plein de bruit autour. Et donc là, on l'oblige à se concentrer et ça, c'est hyper important. Ça, D'accord. c'est hyper important parce que ça, on va le retrouver après, encore une fois, sur un côté opérationnel où malgré qu'on va rechercher, bien sûr, l'initiative du chien, hein, d'accord, à prendre, je veux dire, sur lui, mais quand le maître va lui parler, il saura l'écouter, quoi. D'accord? Voilà. Et non pas l'entendre. Je fais toujours une Ouais. grosse différence avec ça Ouais, moi parce que aussi, c'est quelque chose alors, très important. Dans le dressage, en tout cas, c'est très, très important. La différence entre l'entendre Je déteste quand on est obligé, enfin obligé, c'est pas vrai qu'on est obligé en plus, mais souvent on a des gens qui crient parce qu'ils pensent que Oui. crier va suffire à ce que le chien fasse. Mais en fait, on habitue juste à ce que le chien entende beaucoup de bruit et voilà, après, c'est pas pour ça qu'il écoute, bien au contraire. Par contre, si on commence à baisser l'intonation et à l'obliger à se concentrer, eh bien là, on a tout de suite un chien qui tend l'oreille, quoi. Voilà, il est à l'écoute. Et ça, c'est Centre. hyper important. Voilà. Et On donc apprend après, on a après ce brevet de dressage. tous les jours sur Dogaden. Merci. Après ce brevet de dressage, on a le brevet d'intervention, qui là aussi est un brevet calqué sur la mission opérationnelle du chien. Je dis bien calqué, hein, mais ça ne suffit pas encore une fois à en faire un chien opérationnel. C'est juste une trame, mais importante. Où là aussi, on va retrouver en gros un parcours de campagne, mais en milieu militaire, avec de l'intensité au niveau des détonations. D'accord, ça c'est très important, hein, ce qu'on C'est pas ce qu'on appelle appelle. l'éclairage, non? C'est pas ce qu'on appelle Alors, l'éclairage? oui, à l'époque, on appelait ça Ah l'éclairage. bah non, c'est. Je suis désolé, c'est à l'époque de Fred Matuzak et tout. Oui, à J'en l'époque, on ai entendu appelait. parler de ça, les programmes d'éclairage, c'était super, Oui. c'était le top à Oui, l'armée.
Ah ouais, je suis Oui. resté là-dessus, moi. Alors, c'est exactement le même, hein, sauf qu'il a changé d'appellation et aujourd'hui, il s'appelle brevet d'intervention. D'accord. Mais là, donc, pareil, on va retrouver des exercices de discipline et de mordant tout mélangé, mais souvent avec une, ce qu'on appelle une haute intensité, c'est-à-dire beaucoup de détonations, ça pète fort, en milieu intérieur où il y a beaucoup de résonance. On Et on m'a va dit que passer d'ailleurs. c'était très impressionnant. Enfin, je veux dire, pour le chien, ça doit être dur Ouais. à supporter l'environnement. Je veux dire, ces bruits, le fait, la détonation en elle-même et la puissance du bruit, ça, pour le chien qui a quand même une Une ouïe aussi, capacité énorme de... Oui. ça doit demander une force de caractère pour supporter ça, assez impressionnante quand même. Tout à fait. Tout à fait. Et en plus, dans ce genre de brevet, on a déjà quand même là besoin d'un chien au gros cœur, quand même, hein. Mais encore une fois, qui sait se tenir, quoi, hein, parce que le fou furieux, bah, ça sera pas possible, hein, celui-ci, il va pas faire de points. Alors, on va dire les points, c'est pas grave, hein, puisque c'est un chien militaire. Ouais, mais là, s'il fait pas de points sur un brevet, le jour J, sur l'emploi, opérationnel, ça va être aussi très difficile de le tenir, quoi, hein, tu vois. Et Et faut c'est savoir pareil que que, l'humain, en fait. En fait, c'est pareil que l'humain. bien sûr. Je pense que dans une équipe, c'est pareil. Si vous en avez un, il a un très gros mental, mais il n'écoute rien ou il fait n'importe quoi, bah, c'est plus un danger qu'autre chose pour l'équipe, en fait. Voilà, Donc, je pense voilà. qu'un parallèle avec l'humain est possible. Voilà. Et on le sait tous, le chien, c'est la même chose que l'humain, encore une fois, c'est que le mieux, c'est d'être dans l'équilibre. Hein, l'équilibre est quand même quelque chose de primordial. On sait bien que les extrêmes, c'est toujours dangereux, voilà. Alors que ça, c'est vraiment l'idéal, quoi. L'idéal. Et c'est là qu'il faut tenter de s'en approcher, en fait, de cet équilibre, quoi. Et là, c'est là que le maître et l'entourage du maître, hein, ceux qui participent au dressage, ben, c'est là qu'ils vont avoir toute leur importance pour rectifier, en fait, tout ça. Hein, dans un chien, avec un chien, je veux dire, qui travaille sous haute intensité, on a un besoin d'un chien, justement, qui va gérer ses émotions, qui va pouvoir redescendre. Parce qu'il faut bien partir du principe que, après avoir frappé fort, après avoir été comme ça Il faut. dans un moment hyper stressant, ben, il faut pouvoir redescendre, il faut pouvoir s'exfiltrer, il ne faut pas que le chien soit encore une Bien fois une sûr. gêne pour les autres. Hein, et c'est là que c'est important, quoi. Très, très important. Mais voilà, en tout cas, ce brevet d'intervention, il a toute sa place. Hein, au sein de l'institution militaire parce que encore une fois c'est vraiment le brevet qui est calqué sur la mission et la mission c'est donc comme tu le disais tout à l'heure à l'époque ça s'appelait éclairage parce que le chien il va être employé en avant du groupe pour aller En détecter éclaireur. en éclaireur pour aller détecter toute présence humaine aux abords de l'itinéraire employé par le groupe, quoi, hein. Donc là c'est hyper important et là par contre il va avoir un parcours à faire qui est quand même assez énorme. Ça va être plus de 500 mètres de long, d'accord, avec trois individus à découvrir ou un ensemble d'individus dans des situations diverses et variées, en souterrain, en aérien, invisible, visible, voilà. On peut tout imaginer, en tout cas, hein, c'est ça qui est bien, c'est que, il faut de l'imagination. Après, il faut juste rester quand même dans le possible et le réalisable, mais on peut quand même imaginer beaucoup de choses. Et ça c'est important, quoi. Il faut surtout pas rester enfermé dans un travail assez quotidien. Loin de là, il faut imaginer plein de choses, quoi. Plein de choses. Je vais juste ajouter une petite précision pour les auditeurs, auditrices. 2001, champion de France militaire en éclairage. J'allais De, 2000, J'allais 2009, dire justement. 2009, champion de France militaire intervention. 2011, champion de France militaire intervention. 2016, champion de France en dressage. 2017, champion de France intervention. Félicitations. Alors, Ouais. on n'est pas là pour mettre de la crème, de la pommade, tout ça, mais l'idée, c'est de vraiment dire, on sait de quoi tu parles. C'est Ouais, pas... merci Nico. C'est des sujets Ouais, maîtrisés, c'est faut important. C'est important de le préciser. et encore une fois, tu vois, là j'ai eu des super chiens. Hein. Bon, là-dedans, bien sûr, j'ai une préférence pour un de mes chiens parce que c'est toujours comme ça. Hein, Je vais quand même les citer. J'ai Lopar, Tino, Bulit ouais. et Ilboy. Hillboy, ouais. Ilboy, pardon. Tino ou Lopard, ton préféré?
Mon préféré, c'est Tino. C'est Tino des loups mutins. Franchement, ce chien-là, parce que je pense sincèrement qu'il avait un vrai côté opérationnel en plus, mais il avait aussi une précision dans le dressage qui était incroyable. Et franchement, il m'a laissé un souvenir, mais fou, quoi. Je pense souvent à ce chien-là parce que c'était. Là, encore une fois. J'avais l'impression d'avoir un humain, quoi. Voilà, on était capable de se comprendre. Et voilà. Et j'ai fait du pistage également avec ce chien-là. Enfin, j'aurais pu tout faire parce que de toute façon, quand t'as un bon chien, tu peux faire beaucoup de choses. Et franchement, c'était un super chien. Lopard était également un très bon chien hein, parce que d'abord, c'était mon premier chien. Donc c'était Lopard de la Cité des Mauges, élevage de Monsieur René Landais, une grande figure aussi du monde canin. Tino donc des loups mutins, Bulit des plaines de Terriarche que Fabrice a bien connu. Non, Alors Bulit, tu vois, c'est marrant parce que Bulit, alors comme on l'a dit tout à l'heure, nos chiens militaires sont donc recrutés auprès bien souvent d'utilisateurs, oui. d'éleveurs, etc. Eh bien là, Bulit est l'exemple même du recrutement auprès d'un utilisateur. Et bah, cet utilisateur est bien connu puisque c'est Monsieur Basnier Fabrice qui D'accord. avait Ça me dit quelque ce chose. chien-là. Mais ce qui est marrant, tu vois, Bulit fut le seul chien de mes quatre chiens là qui avait le plus gros passif en termes de résultats. D'accord. Fabrice, si je ne me trompe, tu avais fait les sélectifs Ouais. avec Bully. Voilà. Ouais. Donc Bon, ouais. on parle d'un chien de sélectif quand même, Ring. Et bien finalement, c'est celui qui m'a donné la plus grosse difficulté en Et chien militaire. à quel niveau? Bon, il était compliqué, hein, mais Eh à ben. quel niveau? Alors, sur tout ce qu'il connaissait pas, bien entendu, avant tout, c'est-à-dire la recherche, par exemple, hein, la recherche, ça a été assez compliqué de lui faire comprendre ce que j'attendais de lui. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est un chien, effectivement, qui avait tendance quand même un petit peu à se disperser assez facilement. Et quand il y avait de l'intensité, encore plus. Je pense que ça, Fabrice, toi à l'époque, tu avais pu le remarquer également sur tes concours. Tu vois, il manque, c'est un chat qui manquait de concentration. Et franchement, Il ça a aimait la été. bagarre. Il aimait la bagarre. Il aimait la Donc, être bagarre. capable, tu parlais de gérer les émotions, je pense qu'il n'arrivait pas à gérer ses émotions, par exemple. Non, non. Et Ça, tu vois. moi, ça a été la limite. Pourquoi, quelque part, je m'en suis séparé? Parce que tout but de compétiteur, c'est d'aller le plus loin possible. Et je me suis aperçu que ce chien-là, aller au sélectif, c'était possible. Passer le cap d'aller au-dessus, donc de pouvoir se qualifier à la Coupe de France, Oui. il n'en était pas capable, pas parce qu'il n'avait pas l'intelligence, pas parce qu'il Maturité n'avait ou... pas le courage, mais tout simplement parce que il n'arrivait pas à se concentrer suffisamment longtemps pour être capable de maintenir un degré élevé de concentration. Nous, ça dure 45 minutes à peu près, 45 enfin, minutes, 45 minutes. Il y avait toujours, toujours sur chaque parcours une petite un défaillance. moment où il perdait pied et le petit coup de dent mais celui qui coûte très cher. Donc tu faisais des parcours quasi parfaits parce que c'était une vraie machine, ce chien-là, c'était une machine de combat, il réalisait tout parfaitement, mais à un moment donné, tu sais pas pourquoi, il s'oubliait, il mettait le petit truc qui faisait que bah tu plantais juste une microseconde et il s'oubliait, il n'arrivait plus à se c'était plus fort que lui, il y avait le mec et ah, faut que je l'attrape et il se maîtrisait plus. Pour moi, ça a été une première limite, et c'est la raison pour laquelle je me suis séparé de ce chien-là. Une deuxième limite était qu'il était très dur à entraîner et que ça devient difficile après, psychologiquement, d'être toujours en train de lutter contre son chien. En fait, faut se rendre compte que des fois, certaines méthodes que l'on utilise sont nécessaires à un moment donné, mais si elles sont trop dures, ça fait plaisir à personne. Et c'est pas le but, c'est Puis tu vraiment casses pas le le lien, non? but. Ouais, si tant est qu'il y en avait un, parce qu'en fait, Oui, Bulit, quand dans ce cas-là, oui. même, dans son monde, quand même. Hein. Laurent va falloir, je pense, en témoigner après,
Il était quand même, c'était un chien qui était vraiment dans son monde et c'était très très compliqué. Et du coup, pour nous, et c'est là où c'est intéressant, et je vais laisser la parole après à Laurent, parce que en fait, cette concentration, on en a besoin aussi pour la compétition. En fait, ça demande énormément de réflexion et de capacité intellectuelle à l'animal pour se contenir. Ce n'est pas juste qu'une bête physique. Le cerveau, il fonctionne énormément. Et cette capacité à se concentrer, elle est primordiale pour nous compétiteurs. Et je l'apprends en écoutant Laurent que pour lui aussi, C'était compliqué. dans ses métiers, c'est nécessaire également, quoi. Attends, juste une seconde, je Et... coupe juste une seconde, j'arrive. Ouais, pas de souci. Ah, c'est dingue, hein, quand même. Sacré bullet. Ouais, mais tu vois, Bulit a été un très bon chien militaire, hein, bien entendu, d'abord parce qu'il l'a prouvé, il a été champion de France. Mais par contre, on parlait tout à l'heure d'unité particulière, voilà, d'unité des forces spéciales. Ça, Bulit, bien sûr qu'on aurait pu fermer les yeux et se dire, ah, il va aller au bout, quoi, hein, d'accord? Ouais. Mais par contre, dans la gestion, dans le groupe, ça aurait été impossible. Avec tous les vecteurs, etc., de transport et tout ça, c'est Vecteur impossible. de transport congénère. Moi, j'avais des gros soucis de congénère aussi. Ouais, mais Très difficile. impossible. Alors qu'un chien, comme j'ai parlé tout à l'heure, Tino, encore une fois, là, Tino, oui, ça serait matché à beaucoup d'endroits, de toute manière, parce que c'était quand même un chien assez exceptionnel. Mais pour ces unités particulières, ça l'aurait fait forcément parce qu'il avait cette concentration qu'avait pas Bulit. Il était capable de redescendre. Mais attention, je veux dire, grâce au travail quand même qui a été mis dessus, hein, parce que tu sentais que dessous, il y avait du fond, il y en avait sous la pédale. Mais moi, par le biais de mon travail et ce que j'aime à travers ce travail, c'est justement d'amener l'apaisement, la concentration, cette force tranquille, quoi, hein, d'accord? Ah, c'est Voilà. sûr que force tranquille avec lui, c'était pas facile, quoi. Ah ben non, Bulit, non. Ouais, Mais voilà, facile. par contre, Bulit, pour sa mission, la mission de base du chien militaire, et même au-delà, hein, parce que ça reste quand même un très très bon chien. Non, ça reste un peu mon chien, c'est vrai. C'était, voilà, pour nous militaires, c'est super, quoi, hein. C'est super, ça Mais reste non, un très mais bon chien. comme tu le disais, en fait, c'est rigolo parce que comme tu le disais, que ce soit de la compétition de très haut niveau ou vous, lorsque vous êtes dans des forces spéciales où vous êtes aussi sur de l'élitisme, en fait, on se rejoint dans les deux, enfin, j'allais dire Bien dans les deux, sûr. non, dans les deux environnements différents que sont l'armée et la compétition, c'est deux mondes différents et pourtant, l'élite nécessite quand même un peu les mêmes qualités, les mêmes aptitudes de Mais chien. bien sûr. C'est pour ça que nos programmes restent de la sélection et c'est pour ça que vouloir que tous les chiens participent, c'est bien beau, mais aller au bout, ça veut dire quelque chose. Aller Quand on voit des chiens qui vont en finale, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont un supplément d'âme. Il n'y a pas qu'une qualité de dresseur ou de conducteur. Il y a forcément ça, mais c'est vrai aussi pour vous dans l'armée. Vous avez des gens moins compétents aussi pour former des animaux. Mais quand même, le supplément d'âme qu'a un animal, on le remarque parce que celui-là, il va au plus haut niveau. Il est capable de choses exceptionnelles que les autres ne peuvent pas faire. C'est en cela que c'est une sélection. Et c'est pour ça que Et... le recrutement, excuse-moi Fabrice, mais Ah, vas-y, je t'en prie, non. c'est pour ça que le recrutement pour des unités, encore une fois, particulières des armées, hein, ce qu'on appelle les forces spéciales, c'est assez compliqué de trouver des bons chiens pour ces unités-là. Parce que le bon chien, bah, en général, la personne ne va pas s'en séparer, quoi, hein, Oui. d'accord? Puisque c'est un bon chien. Alors, d'où notre difficulté, quoi, à trouver ce type de chien pour ce type de mission. Et c'est d'autant plus difficile que si tu le vois, si tu récupères le chien jeune, c'est pas au tout début que tu t'aperçois de ce détail. Parce qu'en fait, l'élite, c'est du détail que tu le remarques au fur et à mesure que tu rentres dans le dressage, que tu approfondis les exercices, que tu vas au bout des choses, et là tu dis, purée, celui-là, il a quand même un truc en plus que les autres. Donc c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir beaucoup dressé, avoir passé beaucoup de temps sur l'animal. Donc je suppose que quand tu es dans le cadre d'un recrutement, le jeune de 10 mois, tu ne peux pas savoir si là tu as un niveau, on va dire, élite, ou si tu as juste un bon chien. Et comme tu le dis,
Moi-même, je suis compétiteur. Si j'ai un chien exceptionnel, je ne le vends pas à l'armée, je ne suis pas débile. C'est tellement dur d'avoir un chien Oui, bien exceptionnel. sûr. Oui, bien sûr. Passer du temps pour déjà m'en rendre compte, ça veut dire que j'ai déjà passé au moins une année, voire 2 ans à m'entraîner tous les jours avec ce chien-là, je ne vais pas m'en séparer, quoi. C'est pas possible. Et souvent, en plus, quand le chien est exceptionnel, parce qu'on fait ça avec cœur, avec passion, et ben alors là, le lien, il est encore plus énorme. En fait, notre lien, on aime les chiens en général, on aime encore plus les bons chiens, mais quand on a un chien exceptionnel, le lien est tellement fort qu'on ne peut pas s'en Bah, séparer. C'est pas... tu l'aimes également de manière exceptionnelle, quoi. Tu développes encore autre chose, quoi. Ouais, C'est sûr. carrément. Ouais. Et après, tu On a as. tous le premier chien. On a tous le premier. Je rebondis un petit peu parce que c'est pour ça que je t'avais dit lequel, Léopard, Tino. On a tous le premier chien. On a pour Oui. tous nos fils, son premier chien est marquant parce que comme c'était le premier, il est forcément extraordinaire, il est forcément le meilleur à nos yeux et on a tout découvert avec. Donc il y a toujours les instants magiques restent gravés parce que c'est le premier chien. Mais ensuite, dans sa carrière, on s'aperçoit que finalement, on a eu un, deux chiens au fur et à mesure des années. Finalement, il y a eu un ou deux chiens. On se dit, ouais, celui-là, quand même, c'était mon meilleur ami. Avec lui, j'ai toujours été bien avec ce chien-là. Avec lui, j'ai toujours partagé des bons moments. C'était lui, c'était mon chien, c'était lui, quoi. Ouais. Et ça, c'est avec le temps qu'on s'en rend compte. Et après, ça devient très, très dur de retrouver ça. C'est là où après, faut arriver à retomber au niveau des émotions pour arriver à accepter que les autres chiens seront différents, seront bons aussi, que ce ne sera pas celui que l'on a connu. C'est un peu comme de l'amour, en fait. Et justement, Tino n'était pas dans l'hyperstabilité, hein, loin de là. Hein, c'est même un chien avec lequel je devais quand même faire attention, surtout avec des inconnus, etc. Enfin, ça, je le savais encore une fois, hein, parce que Ne sait je qu'un. savais observer mon chien. Mais par contre, par le travail, jamais ça n'a été dangereux, quoi. C'est juste que il fallait, voilà, être prudent. Mais c'est ça, c'est ce type de chien qu'on a besoin. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, dans la sélection des chiens militaires, on a tendance quand même à vouloir partir sur des chiens, encore une fois, dans l'hyperstabilité. Enfin, pas l'hyper, mais pas loin, pour éviter tout incident, d'accord, de morsure et autres. Mais le problème, c'est que il faut que notre chien puisse remplir aussi la mission, quoi. Donc, encore une fois, cet équilibre, comment je fais, quoi? Moi, ce qui m'importe, c'est quand même que mon chien remplisse la mission. Après, il est un petit peu dangereux. Bah, ma foi, c'est par le travail, par la sécurité que le maître amène, que tout va bien se passer. Mais je peux pas, ah, je vais dire quelque part, par peut-être une petite incompétence de certains, est obligé de prendre des chiens plus cool pour éviter Ouais. l'accident, en fait. On parle quand même de Parce que, mission, ouais. Avec des tu gros vois, enjeux, donc ouais. parce que ça, c'est dangereux, quoi. Ça, c'est quand même dangereux. Avant tout, il faut que le chien, il aille au bout de sa vie. D'où l'importance de ne pas confondre avec le chien de la vie civile, quoi. Ouais. Oui, mais même, en fait, même. C'est ça le problème. C'est que on pense maintenant que le chien, ça doit être une peluche, quoi. Le chien reste un chien. Oui, tout à fait, il doit être à sa place Et et la vie avoir du aussi. caractère, c'est Ouais, pas être tout à fait. agressif. Avoir de la personnalité, c'est pas être dangereux. Mais il nous faut des animaux qui ont quand même ce caractère et cette personnalité. Parce que c'est ce qui fait qu'ils sont capables de tenir et d'endurer des épreuves, de faire face et de confronter la difficulté, d'avoir du courage. Si on n'a que des peluches, Tu y a sais, rien. Rien du tout, moi on peut rien faire. je rencontre aussi le problème encore davantage, je dirais, avec certaines polices municipales, puisque elles travaillent sur la voie publique, hein, c'est pas le cas de l'armée, et encore que, mais la police municipale, sa mission, c'est vraiment la voie publique, quoi. Et là, je suis sans arrêt en train d'expliquer à l'autorité
que oui, il faut un chien sympa, parce qu'en plus, souvent, le policier municipal, il a son chien chez lui, quoi. Hein. D'accord? Donc, il faut Oui, aussi tout à que fait. le chien soit en vie de famille. Mais il y a un moment donné où on ne peut pas tout demander, quoi. Il faut quand même faire des choix, quoi. Et qu'est-ce qui m'importe, encore une fois? C'est que mon chien, bah, sur la voie publique, il soit aussi opérationnel, quoi. Hein. C'est avant tout ça, hein, qu'on lui demande. Donc, s'il est un peu particulier, même s'il vit à la maison, bah, je vais lui faire un chenil en extérieur. J'ai pas possibilité de faire un chenil en extérieur. Bah, à ce moment-là, est-ce que vraiment je peux être cynotechnicien dans la police, quoi? Tu vois, il faut aussi se poser les bonnes questions, quoi. Merci Hein. Laurent. Je peux me permettre de rebondir là-dessus parce que justement, je voulais approcher ce thème. C'est quoi un bon cynotechnicien? Un bon cynotechnicien pour les armées, pour l'institut, enfin pour les différentes administrations. C'est ça. Comme Alors, tu... pour les administrations, ça va être un peu comme le chien, je vais dire, ça va être apprécié quand même de sortir de sa zone de confort, quoi, hein, donc de la rusticité, ce qui n'est pas forcément évident aujourd'hui, hein, parce que ben, voilà, c'est pas un reproche, hein, c'est juste une constatation, Oui. mais il est vrai que les jeunes aujourd'hui, eh bien, aiment quand même leur confort, aiment pianoter sur leur téléphone. Et à partir du moment où tu vas leur demander de se déconnecter de tout ça et encore une fois de sortir de cette zone, c'est souvent un peu difficile, quoi. Et enfin, moi, je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui, je suis assez surpris, quoi, qui viennent dans l'institution, par exemple militaire, donc, hein, puisqu'on en parle, mais ils viennent pour voir, en fait. Ils viennent pour voir, et puis bah, ils ont vu. Comme dans une Ils ont vu. entreprise. Ouais, exactement. Hein, c'est le même, hein, faut pas rêver. Hein. Moi, j'ai toujours dit, hein, le jeune, c'est pas parce que tu l'habilles en vert qu'il devient militaire le lendemain, quoi. Hein. Non, le militaire, c'est un état d'esprit, quoi, hein, qui se forge au fil du temps. Mais quand tu viens déjà avec l'esprit de venir découvrir, et bah, peut-être ça le fera, mais sûrement que ça le fera pas. Bah, ça peut pas aller, quoi, tu vois. Et là, bah, aujourd'hui, il y a quand même un turnover énorme, hein. On sait tous, hein, c'est pas un secret, hein. Les armées ont aussi, comme les entreprises, du mal À à recruter. recruter, quoi. Alors ça, c'est un premier point. Et ensuite, pour être syno, bah, on retrouve encore la même thématique, c'est que bien souvent, bah, il vient découvrir, et, ah oui, tiens, maître chien, bah, pourquoi pas, mon grand-père avait des chiens à Oui, l'époque. ça, des bichons, ouais. Et malheureusement, c'est pas suffisant, quoi. Hein, alors, des fois, ça marche, hein, et heureusement, hein, mais franchement, il faut arriver avec un petit peu plus de bagages que ça, quoi. Enfin, si possible, hein, si possible, parce que effectivement, ça va être compliqué autrement. Hein, Je te pose la tiens. question parce que peut-être que dans les gens qui nous écoutent, peut-être qu'il y en a un ou deux qui souhaiteraient demain intégrer une armée. Et je me dis, ben, peut-être que ce sera des réponses à lui donner pour pas qu'il perde de temps et que l'armée ne perde pas de temps non plus. Et Alors, voilà. au niveau cursus, je suppose qu'on ne commence pas En cynotechnicien. recrutement, oui. Au niveau du recrutement, on doit d'abord être certainement militaire, faire ses armes. Enfin, je ne sais pas, il doit y avoir tout un processus avant de pouvoir demander ou postuler pour une affectation dans une Ouais. spécialité. Alors, encore à l'armée, justement, c'est une chance aujourd'hui pour un futur cynotechnicien, en tout cas, c'est que ça reste une spécialité, d'accord? Donc, elle est vraiment reconnue comme spécialité et ce n'est pas une option, quoi, hein, d'accord? Donc, il rentre avec l'idée d'être vraiment cynotechnicien et il sera spécialiste. D'accord? Donc, il va pouvoir, je veux dire, gravir les échelons grâce à D'accord. sa spécialité. Elle est vraiment reconnue, quoi. Donc, D'accord. très rapidement, quand même, il peut être cynotechnicien. Alors, bien sûr, hein, il va faire ses classes, hein, tout le monde a entendu parler des classes à l'époque. Alors, aujourd'hui, ça s'appelle plus forcément comme ça, mais voilà, il va faire tout son programme militaire. En gros, il va lui falloir quand même une petite année avant réellement de rentrer dans À la cynophilie. l'activité cyno pure, quoi, hein. Mais ceci dit, ça va quand même assez vite, quoi, hein. Ça va Ouais, malgré un tout an, assez c'est vite. pas si long que ça, un an finalement. Non, 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 c'est assez non, non. rapide.
Non, Et mais enfin, est-ce que oui. c'est encouragé? Est-ce que c'est mis en valeur si, par exemple, c'est un jeune qui a déjà un diplôme d'un milieu canin? Par exemple, un jeune qui a un bac pro en élevage canin, Ou un palmarès. ou peut-être un palmarès sportif dans le milieu du chien, est-ce que ça c'est mis en valeur au moment du recrutement? Ce sont des choses que l'armée recherche lorsqu'elle, enfin, Alors, si tu en veux, cette par façon. exemple, un jeune qui va se renseigner pour rentrer sous les drapeaux, il va aller souvent dans un centre d'information des armées. Et puis, comme le nom l'indique, il va s'informer de ce qu'on peut lui proposer. Et en fait, le métier de celui qui est dans ses bureaux, bah, c'est lui, c'est comme une entreprise, encore une fois, hein. Ça va être de placer les jeunes dans des spécialités dont il a vraiment besoin, où il est fortement déficitaire, quoi, hein. Donc, si le petit jeune, il arrive en disant timidement qu'il veut être maître chien, bah, peut-être que le recruteur va tenter de le mettre ailleurs, quoi, Oui, hein. là où il y a besoin. Et là, ce que je pourrais dire à un jeune, c'est que s'il a vraiment cette idée d'être maître chien, il faut qu'il soit fort sur son envie et sa décision, quoi, hein, et il faut qu'il tienne le cap là-dessus. C'est Oui. d'ailleurs déjà une force mentale, quoi, hein, et Bon, ça commence maintenant, quoi. ouais, Voilà. une passion à Par montrer. contre, sur la question que tu me posais, effectivement, s'il arrive avec un bagage déjà sino dans le civil, là, le recruteur va forcément l'orienter sur sa spécialité. Là, je parle surtout d'un jeune qui arriverait sans réelle idée de ce qu'il veut faire ou sans réel bagage. Mais encore une fois, s'il veut être cynotechnicien, là, va falloir qu'il soit fort et qu'il insiste, quoi. D'accord? D'accord. Parce que c'est pas ce qu'on va forcément rechercher en premier quand on est recruteur. Il y a des postes à pourvoir? Il y a toujours des postes à pourvoir. L'armée recherche toujours des cynotechniciens. Il n'est pas trop tard, Toujours. Fabrice. C'est trop vieux maintenant, je pense. Non, non, mais toujours, ouais, tout au long de Ouais. l'année. Et le 132e RIC qu'on a Évoqué parlé tout au à l'heure. début de l'émission, qu'on a évoqué, est une belle unité, hein. C'est une unité unique, hein. C'est le seul régiment en France où il y a des chiens. Enfin, je veux dire, c'est le seul régiment école, quoi, hein, d'accord? Si tu prends l'arme du génie, des régiments de génie, il y en a dans plusieurs endroits, et ben là, le régiment de chiens, c'est le 132e RIC. Il n'y en a qu'un seul, d'accord? Unique. Et Et c'est vrai que ce soit l'armée de terre, de l'air ou de mer, ça part au 132e aussi pour la formation ou en fonction. non. Non, non. La marine a sa propre formation D'accord. en Bretagne. Alors, après, voilà, ça c'est Il peut y toujours avoir une des connexions histoire. certainement. À l'époque, hein, à l'époque, tout le monde était formé au même endroit. D'accord. Après, on a dissocié. Il n'est pas impossible qu'un jour ça revienne. Ça, je dirais, c'est pas très très grave. En tout cas, on y apprend le même métier qu'on aille dans la marine ou dans l'armée de terre ou dans l'armée de l'air. On y apprend le métier du chien. Moi, j'étais dans l'arme du génie à Angers, hein, c'était un régiment de génie. Mais en fait, le chien, c'est un interarme, hein, que tu sois dans le génie, dans le Oui, bien sûr. matériel, dans l'infanterie. Et j'avais tendance à dire, je suis de l'arme du chien. Voilà, ça n'existe pas, hein, mais voilà, en fait, je suis de l'arme du chien. Voilà, c'est vraiment, vraiment une spécialité à part entière, et que tu la fasses dans une des trois armées, D'accord. tu parleras le même langage, quoi, hein, Ouais, mais et la question, c'était, est-ce que la formation de peu importe si on est dans l'armée de l'air, de terre ou de mer, est-ce que tout le monde va à Suippes ou est-ce qu'en fait c'est. non, et même à Suippes, en fait, si tu veux, aujourd'hui, Suippes s'est tourné sur le côté opérationnel depuis quelques années. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, ça s'appelle un régiment d'infanterie cynophile, quoi, hein, puisque la cynotechnie appartient à l'arme de l'infanterie, hein, aux combattants, D'accord. d'accord. Mais par contre, la formation, elle se fait à Biscarrosse, ce qu'on OK. appelle au 17e GA là-bas. Et donc, toute la formation, en fait, elle est faite à Biscarrosse. Pour les gens de l'armée de terre. Pour les gens de D'accord. l'armée de terre. Hein. Et la marine, elle est faite du côté de l'Orient. D'accord. Voilà. D'accord. Mais c'est la même formation. Sauf que bah, dans l'armée de terre, en fait, c'est là où il y a le plus de chiens, en fait. Hein.
voilà, la marine en a un peu moins que l'armée de terre. Comme elle a un peu moins de base, hein, l'armée de terre est beaucoup plus représentée, quoi. Le champion. D'ailleurs, pour moi, c'est un monde que je ne connais pas. Je me dis, mais dans l'armée de mer, sur un bateau, comment on peut avoir besoin d'un chien? Et c'est peut-être parce que c'est pour le port, pour garder un port, À pour garder Toulon, un ils ont des chiens, oui, dépôt. pour garder le port. À Toulon, ils ont des chiens. À l'île Longue, là où il y a les sous-marins, il y a des chiens pour garder. En fait, voilà, toutes ces zones sensibles, tu retrouves toujours le chien. En fait, c'est la même mission de surveillance et de patrouille, mais c'est juste que c'est dédié à une armée, par exemple, de mer, donc c'est plus lié au côté maritime, mais en fait, ils ne sont pas sur les bateaux, dans un sous-marin, ou... Alors, certaines Alors, missions, ils quand pourraient même. l'être sur un bateau, mais je veux dire, peut-être pas un Ouais. sous-marin quand même. Non, mais sur un bateau, ils y sont quand même pour d'abord pour le transport, hein, bien Ouais. entendu, mais aussi pour réaliser certaines missions quand même. Intervention, ouais. D'accord. Ouais. Et les Tout à championnats fait. de France, c'est interarmé? Oui. D'accord. Ouais. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour nous, ce championnat, parce que c'est vraiment le moment où tout le monde se Ouais. retrouve, il y a de l'échange. Alors, ne serait-ce qu'entre les armées, mais il y a aussi les gendarmes sont présents, les douanes sont présents. D'accord. En fait, ça s'est ouvert à beaucoup d'entités et ça, c'est super, c'est vraiment super. Et il faut essayer de garder cette dynamique parce que ça, c'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Et ça fait progresser, ça fait progresser la cynotechnie au sein des armées et autres. Hein. Je veux dire, c'est ça qui fait avancer le schmilblick, quoi. Hein, c'est de pouvoir échanger. Enfin, c'est ce qu'on fait là, mais je veux dire, voilà, dans le monde de l'utilité, il n'y a que comme ça qu'on peut progresser hein, en échangeant. Aujourd'hui, Laurent, tu peux être encore amené à faire des championnats de France militaires ou bien du fait que tu es réserviste? Alors. Dans l'absolu, je pourrais, si tu veux, mais parce que effectivement, je suis quand même militaire. Après, si tu veux, la difficulté, c'est qu'en tant que réserviste, en fait, je fais pas de grosses périodes de réserve. Oui, Hein. Le oui. réserviste, c'est ça, en fait. Hein. Oui, Il oui, est là, oui. il n'est pas là. Il fait de l'intérim, en fait, le Oui, oui. réserviste. Donc, le problème, c'est que quand tu as un chien, tu peux pas faire de l'intérim, quoi, Ben, tu tout à vois. fait, Euh, oui, c'est donc, tout. euh, voilà, c'est pour ça que ce serait difficile. Mais dans l'absolu, ce serait possible. Et dans le civil, tu fais encore du ring? Oui, alors j'avais quitté le monde du ring pendant un petit temps. Enfin, quitté, jamais de très loin. Ouais, Hein, ouais. il est vrai que pour diverses raisons, je m'étais un peu écarté du monde du ring, pardon, parce que des fois, je m'y retrouvais plus vraiment dans cet Oui. état d'esprit. Voilà. Mais par contre, ça fait partie de mon ADN. Hein, moi, je prends un plaisir monstrueux à toiler un chien, quoi. Hein. D'ailleurs, tu me posais la question tout à l'heure sur cette toile. J'adore passer mes propres chiens, par exemple. Ça, je D'accord. trouve que Bah comme là, en Fabrice, tant je que crois. c'est le meilleur moyen de connaître son chien. Et d'ailleurs, En j'ai une tant que question. oui. D'ailleurs, j'ai une question pour vous deux. Question que je crois que j'avais déjà posée à Fabrice dans l'épisode, je ne sais plus combien, l'épisode 33. Vous avez une double casquette qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est-à-dire à la fois homme d'attaque et à la fois conducteur. Est-ce que c'est possible d'être que conducteur? Et si, est-ce qu'il n'y a pas un manque, le fait de ne pas porter la toile de temps en temps pour avoir une meilleure lecture du chien? Fabrice, je te laisse répondre. Bah, j'avais déjà répondu, donc je vais re-répondre. On peut être juste conducteur, bien entendu. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, mes filles qui sont très jeunes conduisent mes chiens, elles sont juste conductrices. Ouais. Oui, je pense qu'il Je parlais en compétition, bien sûr, hein, je parlais. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui ne mettent pas le costume, ils ont juste leur propre chien, le plaisir d'aller à l'entraînement avec leur chien. Et ils ne mettent pas du tout le costume. Il n'y a pas d'obligation de mettre Non, le non, costume. non, on est d'accord. Après, je pense que Laurent ou moi, on a cette passion plus que tout. Et lorsqu'on est en recherche de comprendre son animal, être de l'autre côté donne un autre angle de vue et ça permet Exactement. de mieux comprendre certaines choses. Et d'ailleurs, moi, quand je suis juste conducteur,
Je demande souvent à mon homme d'attaque de me dire ce qu'il ressent dans le costume Sensation, parce que, en tenant la laisse, je ne ressens pas les émotions de mon chien. Alors que dans la toile, en fonction de la manière dont le chien va mordre, va tenir, s'il va se mettre à mâchonner, s'il va écraser très fort, ou si je sens que ça se desserre, je ressens ces émotions. tu as une vision à 360, ouais. Voilà, exactement. Je ressens si il se pose des questions, s'il est à l'aise, en confiance ou quoi, stressé, inquiet. Tout ça, ce sont des choses que, vu de l'extérieur, on ne ressent pas en fait. Et je pense que Laurent va aller sur le même terrain, mais je le laisse parler quand même. Non, mais ouais, effectivement, moi j'adore le ressenti qu'on peut avoir quand on toile un chien et surtout donc quand on toile son propre chien. Voilà, ça, je trouve ça génial et je vois pas comment, quand on est en attaque, on pourrait faire autrement, quoi. Enfin, moi, ça me paraît impossible, quoi. Hein, voilà. Mais par contre, pour répondre aussi à ta question et en faisant un petit parallèle, je pense que par exemple, on peut aussi être un très bon juge sans avoir été un très grand conducteur. En D'accord. fait, c'est juste une question d'appréciation, quoi, hein, et d'état d'esprit, encore une fois. Mais on peut tout à fait être un super juge, et alors qu'on n'a pas été un très grand conducteur, encore une fois. Peut-être un très Et bon je arbitre pense, sans avoir été un très grand footballeur. voilà, Oui. Connaissance du sans. règlement, être capable de jauger et d'encadrer tout le monde sur un terrain, ça n'a rien à voir avec le fait d'être technicien d'un geste particulier dans le costume, c'est sûr. C'est parce que quand je suis beaucoup sur les concours en observateur, puisque moi je pratique pas, mais c'est ultra technique quand même. Tout est dans le petit détail, dans le petit. C'est un art, c'est l'art du dressage, comme dirait Monsieur Et Dom. c'est ce qui rend passionnant finalement pour celui qui prend le temps d'observer. Et en plus, là, j'allais rebondir aussi sur le fait que par rapport à mettre la toile, pourquoi mettre la toile? Pour moi, le dresseur, c'est celui qui met la toile. Je ne parle pas des concours, c'est encore autre chose que je ne connais pas. Là, par contre, Laurent pourrait mieux en parler que moi. Mais pour moi, le dresseur, c'est celui qui met le costume et qui dresse les chiens, qui leur apprend les exercices. C'est lui le professeur de la séance, c'est lui qui détient le savoir, les connaissances et qui explique au chien et pourquoi pas au binôme si le maître est un peu Tout à fait, débutant. ouais. Mais pour moi, c'est ça, la noblesse de notre art se passe à ce moment-là, au moment où on explique au chien ses exercices, comme la garde d'objet. Enfin, moi, c'est mon exercice favori, c'est ce que j'adore, parce que vraiment, là, c'est là où je trouve que s'exprime tout notre art du dressage, quoi. Et je ne Voilà. conçois pas le dressage sans mettre la toile, c'est impossible pour moi. Et quand tu es en attaque et tu passes un chien, tu rentres dans tes pensées, en fait. Voilà, parce que d'abord, tu l'as vraiment près de toi, quoi. Et moi, c'est l'impression que ça me donne, c'est À son on rentre regard, dedans. t'as... Ouais. En fait, on ne fait plus qu'un, finalement, Ouais, quoi, hein, ouais. quasiment, quoi, tu vois. Et là, Et une fusion, ouais. c'est quand même assez fort, quoi, comme ressenti, quoi, tu vois. Et c'est un énorme avantage, oui, Ça par rapport apporte à un celui plus, ouais. qui... Ouais, par rapport à celui qui ne connaît pas ça, voilà, il passe à côté de beaucoup de choses, quoi, hein. Mais après, il peut tout à fait y arriver, sans Oui, tout à fait. trouver. Alors, c'était pas un procès d'intention pour ceux qui Non, pas du ne tout. portent pas la toile, attention. Hein. Non, bien entendu. Non, moi, je Bien connais entendu. peut-être pas du tout le costume, mais qui ont essayé de mettre une manche pour se rendre compte Pour et voir, c'est comprendre. ça. Au moins Ça, il y a voir. beaucoup de personnes qui l'ont fait, ne serait-ce que pour comprendre, pour, je vais dire, s'éduquer, c'est une question d'éduquer les gens, mais pour ressentir, etc. Mais après, soit déjà parce que physiquement, c'est difficile, faut Ah quand oui, même mais bien le dire, c'est difficile. il faut une Ça peut condition physique. être parce que la pression de la mâchoire fait mal à l'homme d'attaque. Souvent, on critique nos pratiques en disant oh le pauvre chien, mais moi je dirais plutôt oh le pauvre homme d'attaque. Bien souvent, le seul qui souffre, c'est l'homme d'attaque. Le C'est le seul qui est blessé, c'est l'homme d'attaque. Celui qui s'enrichit, c'est son ostéo. Ouais. Mais bien souvent, c'est l'homme d'attaque qui prend tous les coups, entre guillemets, quoi. Les blessures, les accidents, 90% du temps, c'est l'homme d'attaque. Jamais le maître, c'est très peu le chien, c'est toujours l'homme d'attaque, quoi. Donc, il faut quand même cette capacité physique et psychologique à endurer tout ça et à aimer quelque part ça, en fait. Alors, on est complètement zinzin, en fait. Non. C'est ça, Mais exact. il y a un Et peu de là, ça, il y a un peu de ça.
Mais là, c'est vrai que le physique est hyper important quand tu mets la toile, donc à l'entraînement, hein, bien entendu, parce qu'il va falloir répéter les phases d'entraînement, justement pour que le chien puisse acquérir toute cette technicité, quoi. Hein. Et ça, la répétition, bah, ça, voilà, ça fait mal. Il faut encore une fois, faut tenir physiquement. Mais on va rebondir sur le physique d'un homme d'attaque de concours, où là, ça va être autre chose. Ça c'est hyper important parce que, enfin moi je me suis toujours obligé, et de toute façon c'est en moi, hein, alors obligé oui et non puisque de toute façon c'est naturel, mais je veux dire pour moi l'équité c'est hyper important, et l'équité elle passe aussi par donc le physique quand t'es homme d'attaque, parce que quand tu passes ton premier chien du samedi matin et que tu mets de l'intensité et qu'il va falloir que tu aies cette même intensité sur le dernier chien du dimanche, C'est ça. eh bien là, si tu n'es pas physique, ça va quand même poser des problèmes, tu vois. Et si donc tu n'es pas physique, encore une fois, et que tu tiens pas la distance, eh bien tu vas pas être dans l'équité. Et ça, c'est pas normal. L'équité, c'est quand même Oui, primordial par rapport à tous les concurrents, par rapport aux chiens, par rapport Ah bah au spectacle, entre guillemets, parce que ça doit rester un spectacle pour attirer ouais. des... Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, je me suis toujours mis un point d'honneur à être dans cette équité, quoi, parce que ça, j'ai toujours beaucoup de mal avec des choses que je peux voir de temps en temps ou enfin que j'ai vu. Et voilà, et ça c'est ce qu'il y a de pire, quoi. Ça va Ce être qu'il y a quoi de comme pire. type d'entraînement? Un peu de musculation, un peu de course à pied, tout ça, enfin de façon à... Alors, ben justement, puisque à l'époque, quand j'ai fait les sélectifs et la finale l'année suivante, on se voyait assez régulièrement à ce moment-là avec Fabrice. Et oui, je me suis bien préparé, je pense. Enfin, j'ai fait le maximum, en tout cas, pour me préparer. Et oui, beaucoup de courses à pied. Je faisais aussi du fractionné, beaucoup de Oui, fractionné, tu vois, parce que parce que là, c'est c'est comme très, le chien. ça peut être court et intensif. Oui, tout Ah, à fait. c'est ça, en fait, hein. Et Gérer le donc, tu répètes, cardio. et tu répètes. Tu faisais du renforcement musculaire? Est-ce que tu faisais du renforcement musculaire ou tu étais plus sur du cardio d'une façon générale? Ouais, plus du cardio. Moi, j'ai Plus du jamais cardio. été vraiment. Ouais. Je D'accord. trouve que Après, tu ça. mettais clairement aussi dans ton travail, tu mettais le costume. Tu n'étais pas, je veux dire, Voilà. tu dressais des liens dans ton travail par rapport à quelqu'un qui n'est qu'un Je loisir. pense que je n'avais pas besoin d'un renforcement musculaire. Je me sentais bien comme Quelque j'étais, part. quoi. Et déjà, en Que, étant militaire, quelque part, ton voilà. activité professionnelle, elle est déjà physique. Donc, vous avez besoin de votre corps. Donc, contrairement à quelqu'un qui serait dans un bureau Bien ou sûr, bien sûr, autre, bien c'est sûr sûr, bien sûr. que Mais pas en dans ça. fait, ce qu'on va demander aussi, c'est surtout la tonicité, quoi. Hein. Et je travaillais quand même les départs arrêtés, quoi, les choses comme ça, tu vois, en mettant une ceinture, un élastique pour vraiment avoir de Action l'appui, de de la l'impact. force sur les démarrages, quoi. Hein, parce que c'est ça, encore une fois, c'est cette intensité rapide qu'il faut avoir, quoi, hein, sur les départs de recherche, etc., de conduite. Voilà, il faut que ce soit explosif, quoi. Faut que ce soit Ça explosif. me fait penser un peu au... Enfin, je m'excuse pour le parallèle, mais ça me fait penser au canicross, où c'est pas des distances forcément très longues, mais le chien, lui, il va pas commencer à progressivement. Lui, il va à fond tout de suite. Donc, le cardio, il monte d'un coup et il faut gérer cette partie cardio. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que le rôle de l'homme d'attaque à l'entraînement et celui de concours est totalement différent. L'homme d'attaque à l'entraînement est la personne qui explique au chien ce qu'il doit faire. Son professeur, oui. Voilà, son professeur en quelque sorte, alors que l'homme d'attaque de concours, il est un membre du jury et il est là pour départager les concurrents. Et lui, son but, c'est de ne pas être attrapé par le chien. Guillemets. Et c'est ce qui va permettre de voir les aptitudes de tel ou tel chien, justement, à attraper, à maîtriser rapidement l'homme d'attaque. D'où C'est les pour ça que esquives. Laurent parlait, c'est pour expliquer pourquoi Laurent parlait du fait qu'il fallait être capable de s'arracher, de partir vite, d'avoir de l'impulsion, etc. Parce que lorsque le chien arrive, au dernier moment, paf, il doit partir pour Oui, c'est esquiver le ça. chien, pour essayer de ne pas se faire attraper. Donc, c'est pour ça que sa préparation physique, lorsqu'il s'est préparé pour officier au championnat de France, les sélectifs, quand on dit les sélectifs, c'est ni plus ni moins que les épreuves du championnat de Bien France sûr. se concluent par la Coupe de France. On nomme dans notre jargon la finale, mais la Coupe de France n'est qu'une étape de tout le championnat de France qui commence par les épreuves de sélectif. Et c'est pour ça que Laurent s'est préparé sur tous ses à-coups, toutes ses accélérations, parce que
Lorsque l'on officie en tant qu'homme d'attaque en concours, c'est totalement différent d'entraîner un chien et le préparer à la compétition. Le rôle est, je vais pas dire antinomique, mais il est totalement différent. C'est vraiment, c'est la même, c'est pas la même personne, mais on met le costume, mais c'est vraiment dans deux activités, deux prismes différents. C'est totalement différent. Est-ce que je vois que tu as été Par homme contre, d'attaque championnat de France ah oui. en Bourg-en-Bresse et au Touquet? Alors, à Bourg-en-Bresse, c'était au championnat campagne, D'accord. d'accord, et au Touquet, c'était championnat de ring. D'accord. Voilà. C'était En fait, UDEX qui avait j'ai. été champion cette année-là. C'était UDEX qui Comment? avait été. C'était UDEX Oui. qui avait été. Ouais. C'était beau. Ouais. Mais donc, homme d'attaque, ça me fait rebondir aussi sur ce que disait Fabrice. Quand tu es homme d'attaque d'entraînement et également homme d'attaque de concours, quand tu arrives sur le concours et que tu sais comment a été monté le chien, parce que c'est là que c'est important, encore une fois, cette fameuse lecture du chien pour pouvoir lui prendre des points, surtout sur les exercices de dressage de type garde d'objet, etc. Eh bien, c'est que là, quand tu as la casquette aussi d'homme d'attaque d'entraînement, eh bien, il est parfois plus facile d'aller démonter, entre guillemets, ou d'aller mettre à mal, en tout cas, tout ce qui a été mis sur le chien, quoi. Hein. Et ça, c'est forcément un avantage également, quoi. Hein, quand tu es juste l'un ou juste l'autre, bon, ce qui compte, à la limite, c'est presque mieux d'être homme d'attaque d'entraînement. Ça, on en a besoin pour construire le chien. Si tu n'es pas homme d'attaque de concours, ma foi, c'est pas, voilà, c'est Oui, pas très, très grave. oui. Par contre, quand tu fais les deux, eh bien là, le fait d'avoir été homme d'attaque, enfin, d'être en parallèle homme d'attaque d'entraînement, va te permettre en concours beaucoup plus vite dans la lecture du chien et de le mettre à mal, encore une fois, dans ses prises de décision, quoi. De toute façon, arriver à très haut niveau, les meilleurs hommes d'attaque d'entraînement, les meilleurs hommes d'attaque de concours, bien souvent, ils Ils sont entraînent. aussi entraîneurs. Ils sont déjà au sein d'équipes performantes et ils entraînent déjà des chiens à haut niveau. Et c'est ce qui leur permet, en plus de leurs aptitudes physiques, c'est ce qui leur permet d'avoir, comme le dit Laurent, cette lecture, de comprendre, OK, toi, tu as été monté comme ça, on dit monté, mais c'est dressé comme ça, tu comprends l'exercice comme ça, tiens, je vais te tester sur autre chose. Et forcément, lorsque c'est juste par la ruse ou la rapidité que l'on essaye de mettre à défaut le chien, eh ben, il manque pour l'homme d'attaque de concours quelque chose par rapport à celui qui entraîne des chiens et participe à la construction des chiens, parce que ça lui donne une grille de lecture supplémentaire au moment de sa confrontation le jour du concours face au chien. C'est pour ça qu'on appelle Et ça un ring. ah bah parce que c'est fermé, ouais, C'est comme du un ring de combat, boxe. c'est du combat. Ouais, ah bah de toute façon, le ring français, c'est moi, c'est ce que je trouve le plus beau dans le ring français, c'est cet affrontement entre un homme et un chien. Et moi, je trouve ça, c'est vraiment un art martial. On en Moi, avait parlé dans ton épisode, oui. moi, je trouve ça très beau. Il y a énormément de techniques à développer en fonction du mouvement. Enfin, moi, j'ai plus la casquette. Moi, j'ai pas du tout la casquette d'homme d'attaque de concours, donc je suis plutôt D'entraînement, celui qui va préparer le chien. Mais moi, justement, on parlait de gaucher, droitier. Moi, j'analyse ça. Je sais si le gars, il va aimer faire des latérales, s'il va faire appel contre appel, est-ce qu'il commence toujours par la jambe droite, etc. Et on met en place toute une palette de techniques avec son chien pour justement pour que le chien soit en capacité de s'adapter à l'homme qu'il va avoir en face de lui, en fait. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment. Mais c'est ni plus ni moins que, ouais, que comme pratiquer un sport de combat à très haut niveau. Oui, tout à C'est, fait. il y a des règles, c'est le dressage, l'apprentissage des exercices, c'est des règles. Et dans ces règles-là, il y a de la technique. Et ça, c'est super intéressant. L'apprentissage des exercices, c'est intéressant, mais développer des techniques pour le chien, c'est vraiment super sympa aussi, hein. Là, c'est très grisant. Moi, j'invite les auditeurs et auditrices à aller se renseigner sur la SCC pour voir les concours qu'il y a dans leur région et jeter un petit coup d'œil. Vous allez voir que c'est vraiment c'est passionnant et qu'il y a un vrai respect du chien. Ça, j'insiste beaucoup Voilà. là-dessus. Il y aura Voilà, toujours ça. des connards, excusez-moi du terme, parce que de temps en temps, faut. Mais il y en a partout, de toute façon. Mais qui vont gâcher l'image alors que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et Voilà. vous connaissez mon point de vue sur le respect du chien. Si je mets en avant un sport comme le ring, c'est qu'il y a du respect derrière. Moi, les gars, Et ouais, et puis surtout, grâce à Laurent, on voit aussi qu'il y a du respect aussi chez nos sur militaires, les parce corps que militaires, ouais, tout des à fait. fois,
pour nous civils, on ne se rend pas compte de qu'est-ce qui se passe dans leur camp. En fait, ils sont enfermés, ils sont entre eux. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce qui... On pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'ils font aux chiens? Est-ce que les chiens sont bien traités et tout? Et en fait, eh ben, on retrouve aussi dans ces enceintes militaires de vrais passionnés, des gens qui aiment les animaux, qui s'en occupent, et les animaux sont bien, ils sont épanouis et ils ont une utilité. Ils ont une fonction, ils ont une utilité. Et c'est vraiment ça qu'il faut, je pense, mettre en avant lorsque l'on aime un chien. Il a une utilité. Tout à fait. L'homme s'est rapproché du chien, enfin du loup à la base, pour Et ça. quelle que soit sa race d'ailleurs. Ouais. Tout à fait. Les gars, vous êtes passionnants. On est passionné, passionnant, je ne sais pas, mais en tout cas, je crois Ben, qu'on est moi je vous passionné. le dis, moi je vous le dis parce que je ne suis pas pratiquant. Donc soit c'est passionnant, soit c'est pas passionnant. J'avais dit en préambule, on dépasse pas 1 heure. Et Ah ouais? on est à plus de 2 heures et quart. Et tu vois, Ah finalement, oui. Laurent, il parle bien aussi, hein? Ah oui, Okay. carrément, Ah, carrément. t'as vu? Mais moi je trouve ça génial et puis dès que ça peut effectivement dès que ça peut enlever le voile sur certaines choses parce que c'est vrai que les corps d'armée ont tendance à avoir un secret derrière, attention ce qui se passe derrière vaut mieux pas le savoir. Alors en fait si parce qu'il y a quand même une liberté de parole qui fait qu'aujourd'hui on peut Ouais. plus rien cacher en fait. Hein. Ouais, tu sais ce qu'on dit, on l'appelle la grande muette, hein, C'est ça. mais non, ça c'est fini quand même, hein, voilà. Ouais, il y a une belle évolution. Pas grand-chose Ouais, à et cacher. puis. Après, ce qui sera caché, c'est parce que c'est normal, ça doit être. Bien Bien sûr, sûr, oui, il y a le secret il militaire, y a des choses qui heureusement. doivent être confidentielles, c'est Oui, bien normal. sûr, Voilà. heureusement, heureusement. Bien Mais entendu. ce qui est intéressant, Nicolas, à travers ton podcast, c'est qu'on peut aussi mettre en avant la majorité silencieuse. Moi, je suis convaincu que la majorité des pratiquants de chiens sont des gens bien. On n'est pas là pour décerner le camp du bien, le camp du mal, mais je pense qu'ils ont une pratique équilibrée de leur discipline. La seule chose, c'est qu'on n'en entend pas parler. Ils c'est sont dans ça. leur coin, ils vivent leur passion tranquillement. Et en fait, on met souvent l'accent sur les mauvaises minorités, si je puis dire. Et c'est pour ça que je te remercie, Nicolas, de mettre en avant des personnes comme Laurent, parce que je pense qu'il symbolise cette fameuse majorité silencieuse de passionnés, de personnes équilibrées qui pratiquent une passion et on n'en entend jamais parler en Et fait. c'est véhiculé dans le Et discours, grâce tu à sens qu'il y a toi, un et vrai ben, respect dans le ils ont la discours. parole. Et ça, je trouve ça vraiment super. Merci beaucoup, Nicolas. Bah, avec plaisir. Nous, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir incessamment sous peu bientôt. C'est très Bah compliqué, ouais. les emplois du temps sont très compliqués. Oh, j'ai peut-être une date pour vous. J'en profite. Si vous Attention, voulez vous rencontrer attention. sur mon terrain, par exemple, à l'occasion, pourquoi pas, d'un entraînement, moi j'ai le 12-13 juin à vous proposer, les amis. Voilà. Mon prochain, mon, ma prochaine, mes 2 prochaines journées sur mon terrain d'entraînement entre amis, c'est le 12-13. Et vous êtes invités, cordialement invités. Et Ben, ça peut être j'aime bien. l'occasion comme ça que vous rencontriez en vrai. J'ai Mais noté, je vais. Nico, je crois que tu es sur l'île, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hein, parce que ça m'arrive bien sûr de bouger Oui, bien pas sûr. mal et ça m'est arrivé de passer à l'île. Bah, écoute, j'hésiterai pas à Ah, t'appeler mais en ça tout sera cas. avec plaisir. Pour, Voilà. et merci beaucoup de nous avoir consacré du temps. Tu vois, je ne Je t'en m'attendais pas du prie. tout à ça. C'est marrant parce que Fabrice m'avait dit, tu verras, il est cool et il va vraiment enfin, partager sa passion. Et moi, je m'attendais justement à ce qu'on pose des questions où on n'a pas le droit à des réponses, tu vois. La grande muette, comme tu dis. En fait, pas du tout. Et c'est ce qui est riche, en fait, dans ces 2 heures-là qu'on a passées ensemble. Et j'espère franchement que ça va donner le goût à des gens, voire peut-être même d'aller pousser le bureau de l'armée pour se dire, je pourrais avoir des renseignements sur la Sino. Ça, Ah serait génial. Parce qu'il faut oui, rappeler que la Sino, c'est l'armée, mais c'est aussi la gendarmerie. C'est l'armée, ok. C'est aussi les pompiers. bien C'est sûr, la la sécurité police. civile. C'est les chiens d'utilité, on en trouve partout. Et je pense que si on est passionné de chiens et qu'on veut en faire son métier, il y a toujours moyen de trouver quelque chose Bien d'intéressant. sûr, bien sûr. Et voilà, en tout cas, quand on me pose des questions, j'aime donner ce que je sais. En tout cas, je trouve que de toute façon, on est là pour ça, hein. Il faut partager. La transmission, oui. La transmission, c'est hyper important. Et donc, lorsque je peux le faire, lorsqu'on me pose des questions, je suis toujours très content de donner des explications, voire même de pouvoir presque l'emmener jusqu'à la porte.
du recruteur, si je peux le faire, je le ferai, quoi. Merci Voilà. à tous les deux. Faut juste qu'il me prouve qu'il a envie avant tout, quoi. Oui, c'est ça. La motivation, quand même, un petit peu. Merci à tous les deux d'avoir consacré du temps. Pour les auditeurs auditrices, soit vous pouvez écouter sur toutes les plateformes qui existent au niveau audio, à savoir Apple Podcast, Deezer, Spotify, etc., etc. Enfin, vous nous trouverez partout. Et pour ceux qui veulent voir nos jolis visages, vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube DogADN ou sur la tienne Fabrice, à savoir Passion. Attends, tu l'avais. Les deux sabres, tout Les deux simplement. sabres, les deux sabres, comme ça. Comme ça, on vous partagera au maximum cette interview qui, pour moi, était vraiment passionnante. Je suis super content. Je vais aller entraîner mon chien. J'ai envie. Ah bah ouais. Mais moi, ouais, ça sera pas. Bah, on parlait du temps en démarrant là. Ah, je viens de me prendre de la grêle là. Il fallait nourrir les chiens sous la pluie et des tourbillons. Ouais, c'est ça. Oh là là. Mais alors, bon courage alors. Merci beaucoup. Encore merci à tous les deux et j'espère à très très bientôt. Ouais, à très bientôt. Salut Nicolas. Salut, salut ciao, Laurent. ciao. Salut Fabrice. Ciao. We can be just who we wanna be.